Oh yeah! Tabarnak, on va avoir chaud, tu sais! Chiara, j'ai 22 ans. Comme la mort. 41. Ma grand-mère, 62 ans. Ah oh, ouais, hein? Yeah. Si jamais ça t'intéresse, j'ai jamais essayé une guilde. Chris Big, je peux t'organiser ça, moi, là, là, j'ai des contacts et tout. Je te bérille. Je te baise. Oh, tabarnak, yes, tu fuck moi n'importe quand, guilde. Non, en veux-tu une shot, Chantal? Ah, oui. Ah, go. Qu'est-ce qui s'est passé ouais avec Rick Artist? C'est un de mes meilleurs vendeurs pour vous. Ah, ouais. C'est bon avec Rick. Ouais. Cool. Oh, ouais. J'ai testé jusqu'à où je pouvais squirter et fait 125 pouces. Jusqu'au caméraman environ? C'est sûr, je l'arrose. Pas loin. Tabarnak. Ma fille est à genoux avec le bat de mon beau-fils dans la bouche. Fait que là, je le tasse. Mais là, j'ai vu qu'il y a un gros pénis. Fait que je le repogne, je regarde, je fais tabarnak. OK. Oh! On vient de te buster. Ouais, genre. Okay. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une bof ou prends un break. Prends un break. Si ton boss te met en cigare, prends un break. Rends-toi jusqu'à la fin du podcast parce que on a fait un speed dating. Les trois filles ont eu le courage de nous piger à tour de rôle puis d'aller en date one-on-one. Pis c'est exactement ce qu'on vient de filmer. On a chacun eu une date. Fait que si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. C'est une putain de tuerie. Puis aussi, reste jusqu'à la fin du podcast parce que de plus en plus ça avance, plus ça devient bon. Fait que let's fucking go. Puis si t'es encore plus curieux, va t'abonner à notre Patreon parce que ça, c'est encore meilleur. Grand-maman vire complètement chaud de tous les sens. Plus t'avances, plus t'en as. Pis si tu veux en avoir encore plus, c'est sur Patreon, ça se passe. Hey, bon podcast, mon gars. On est back? Eh oui, Colin. Ça rec, mon gros. Ça rec? Ouais. Oh yeah, man, on est back dans le vieux port. Ouais. C'est colissement fucké. Je suis venu v'là une semaine à Montréal. Puis il y avait un feu dans le vieux port. Je marchais, puis il y avait un feu. Les pompiers étaient en train d'éteindre ça. Puis là, on est revenu une semaine plus tard. On passe, moi et mon beau-frère, en char. On voit qu'il y a encore des chars de police partout, des chars de pompiers. Puis c'est qu'il y a eu un feu mortel ou qu'il y a eu 7 morts, man. Récemment? Ouais. C'est une vieille crise de bâtisse comme ici qui s'est écroulée. Ah. Puis là, monde, c'était dans un Airbnb? Ouais, le monde était pas prêt à sortir tellement ouais que c'était gros, là. Ouais, c'était ouais, gros, puis je pense que c'était pas formé pour... c'était pas au code de la sécurité incendiaire de la ville de Montréal. Fait que là, c'est ça, là. C'est quoi qui se passe avec ça, avec Airbnb? Y a-t-il des répercussions? Ben, c'est pas nécessairement de la faute des Airbnb. C'est vraiment, je pense, les propriétaires qui sont en devoir de faire les arrangements nécessaires pour que quand il y a un feu, ça arrive pas des tragédies de même. Shout-out à toute la famille ouais à qui que ça s'est... Mais nous autres, il n'y en a pas de tragédie de même parce qu'on a le beau-frère qui book nos Airbnb. J'ai choisi qu'il pogne pas en feu. Moi, je fais bien mes tests pour pas que ça pogne en feu. Mais ce qui est sketch d'ici de et des grosses villes de même, c'est que tout est tellement collé que si t'en as un qui pogne en feu, toute la grange au complet ouais, peut brûler. Mais dans le Vieux-Port, les bâtisses sont genre 200-300 ans, là. Si le feu pogne en bas ici, mon gars, on toast, là. Ah oui, c'est pas long, là. Sur le dernier podcast, vous avez pu voir que si on voulait être incinéré ou exposé. C'est pas le dernier podcast, ce podcast-là sort dans... C'est ça, je disais. On a déjà parlé, là. D'ouest. Ouais. Mais ouais. Hey, moi, j'ai une question, man. Ça sert à quoi, la grande roue? Y a-tu quelqu'un dans le chat qui dit ça, Carlis? Ouais, ça sert à quoi, ça? Ça sert... Je pense que ça servait à monter. Il y avait une corde d'attacher, puis il montait du stock avec ça. Ou peut-être un moulin, c'ti. On sait pas. Ouais, je trouvais juste ça beau, ces photos, quand je magasinais les Airbnb. Puis il n'y avait pas grand-chose parce qu'on est un vent. On est un... Non, on est un jeudi, mais en fin de la semaine, tout est booké, ça a l'air. C'est en début de semaine qu'on a des deals. Okay. Là, c'est ça. Ça a été rough. Mais parlant d'avoir un deal. Ouais. Parlant d'avoir probablement j'aime où ce que tu t'en vas. C'est qu'est-ce que je peux faire? Ben, dans les meilleurs deals du Québec, c'est chez Eros et compagnie que ça se passe. Avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tous les produits sur le site Internet. Si t'es pas un gars de site Internet, il y a pas de stress, mon coco. Il y a 26 succursales maintenant dans la province. Fait que c'est sûr, il y en a une proche chez vous. Tu peux aller magasiner. Il y a du stock en masse. Toi, Frank, c'est quoi ton dernier achat que t'as fait chez Eros?
Ben, le dernier truc que j'ai essayé, parce que Chris, on est rendu des testeurs, mon coco. Ouais. On est en train de tester des nouveaux types, des nouvelles arrivages, mon coco, qui va se passer bientôt sur Eros et compagnie.com, baby. So stay tuned, parce qu'on travaille fort pour essayer d'amener des produits de haute densité chez Eros. Haute densité? Ouais, ça va être dense. Ça va être très, très dense. C'est quand même hot comme job qu'il faut qu'on teste des... Ouais. Des... Moi, le dernier que j'ai testé, gang, là, c'est un auto-suceur, man. L'affaire t'auto-suce. Tu c'est fais l'empereur dans le... Tu c'est mets ton bas dedans, puis ça t'auto-suce. Chris, si t'as le goût d'essayer ça, code break 15, oh, mes yeah. amis. Si boire... Là, je sais qu'on est un peu... Donc, dans le fond, là, on est à une certaine date. On est le quoi, le beau-frère? Non, on est le 20... 23 mars? 23 ou le 22, là. On est... T'as un peu, mon père va nous dire ça. 23 mars. Puis on sort ça dans genre 3 semaines, mais je voulais savoir ce qu'il se passe avec ton projet de chaîne YouTube, les Mini Bar Boys. Ça va être sorti au moment que t'as de bonne passe à la palette. Ouais, c'est ça. Ça va être direct sorti pendant que le podcast est out. Fait que si ça vous intéresse, moi puis Danny, Baby Boy, on vient juste de se partir une chaîne YouTube. Le lien est à quelque part pas dans la description, mais genre va sur mon IG, tu vas le trouver, ou va sur l'IG à Baby Boy. Sinon, Chris tape Mini Bar Boys, c'est pas compliqué, là, c'est ça notre nom. Fait que tu vas trouver ça là. Je pense que c'est bon, là, on s'est forcé. Fait que vous donnez-nous de l'amour, là, on serait bien content que ça marche, cette histoire-là. Si tu sais pas c'est qui, Baby Boy, là, c'est lui qui est derrière cette caméra-là là, que je pointe en ce moment. Là. Ou sinon, on va montrer un extrait à l'écran. Mon time number one au Québec, pour le motherfucking podcast number one au Québec. Woo! Proud break, babies! Woo! Tu vas en avoir pour ton argent avec Mini Bars Boy pour oui, Baby Boy. Mais là, tant qu'à recevoir une passe sur sa palette, je vais en refaire une. Toi, hier, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Hier, je suis allé tourner mon premier épisode du podcast entre elle et lui avec ma grande crise de chum au lit avec Anne Maurice, la professionnelle en sexologie. On a sûrement lancé le podcast à l'heure qu'on se parle. Fait que si vous voulez aller voir ça, entre elle et lui podcast, notre mission, c'est d'avoir une discussion entre les hommes et les femmes sur différents sujets, l'argent, le sexe, le développement personnel, la spiritualité. On s'est fait faire notre carte du ciel, un peu, c'est l'astrologie. Puis dans le podcast, il nous dit, Lily Astro, c'est une top G, man, à 25 000 abonnés sur Instagram, à genre 60 ans, puis elle est à côté raide, la bonne femme, sur... sur l'astrologie puis les étoiles. Puis elle nous a dit, à moi puis Anne-Marie, qu'on était un power couple puis que ça fitait en tabarnak. Ouais. Yes. Fait que... Si les cartes de tarot le disent, c'est possible. Il y a peut-être de quoi entre elle et lui. Shit, puis vous aussi, irez man, voir ça. Félicitations pour vos projets, les gars. Thanks, vous allez voir ça, Mini Bar Boys, entre elle et lui. Puis si vous voulez voir mon dernier projet, ouais, vous irez dans la catégorie gay sur Pornhub. Fait que là, c'est le temps, je pense, de recevoir nos invités. Tabarnak, vous êtes pas prêts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On reçoit... On a creusé, on apporte du contenu, je pense, qui n'a jamais été fait en podcast encore. Êtes-vous déjà allé sur un podcast? Ouais. Ah. c'est pas ce moi que qui fais le PC. C'est qu'on fait des recherches avant nos podcasts. Non, moi je sais, c'est Yann Thériault qui l'a fait. Mais je les lis pas, les recherches. Ça, lisez-les, mes crises de recherche. Même j'ai pas eu le temps les derniers jours. Ouais, c'est ça. Fallait qu'il upload le podcast. Bon, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Nadia No Limits et sa famille! Chantal et Kiara? C'est ça aussi. Il a fallu rechercher notre bad. Là. Bonjour, madame. Hello. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Oh yeah. Tabarnak, on va avoir le show aussi. Êtes-vous stressé un peu? Oui. Comment ça? Hein? C'est bon? Ça, t'es stressé? Bon. Ah, je suis tout le temps stressé. Ben, non, vous allez voir, là, ça va bien, bien ça aller. Ça va bien aller. T'inquiète, fait que présentez-vous à tour de rôle, je pense, ben. Commençant de la plus jeune. Oh. Kiara, j'ai 22 ans. Shout out, Kiara. Ça va bien. Vas-y. Chantal, la grand-mère, 62 ans. Ah, oh, ouais, hein? Yes. Ah, oh, yeah. Tu fais pas ton âge. Ben, merci. Pis toi, No Limits? 41, fait que je suis comme la mamie.
OK, c'est ça, la dynamique. Puis là, c'est ça. T'es comme le ballonné entre les deux pains, on pourrait dire. Ouais. Ah, OK. Le ballonné. Puis là, c'est ça, vous n'avez pas juste des liens familiales, vous avez aussi un genre de business familial. Fait que là, on peut tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. C'est quoi vous faites dans la vie? Comment vous gagnez votre vie? Comment ça marche tout ça? Ben en fait, on s'est tout ouvert une plateforme OnlyFans. Ça a commencé avec elle. La mauvaise influence. C'est toi qui a commencé, puis t'as embarqué les deux autres là-dedans. Tabarnak. Ma mère après, ma grand-mère. Ah, OK. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait combien de temps que vous avez starté ça? Moi, c'est décembre 2020. Ça fait 2 ans et demi. Pas mal longtemps. Non, pas longtemps après toi, moi. Ouais. Puis après ça, grand-mère. OK. Puis c'était-tu genre, hey man, je fais du cash, let's go en barque, ou ça s'est fait? Comment ben, j'ai fait? Juste montré, puis elle a fait comme, oh! Ben, je vais essayer, puis elle l'a fait. Intéressant, oui. Ouais. Puis toi, ma belle Chantal, qu'est-ce qui t'a porté à t'ouvrir une page OnlyFans? Happy yep. Ah, c'est bon. Mais c'était-tu l'argent? Ou c'était comme... Ouais, c'est pour arrondir les fins de mois, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je l'ai convaincue parce qu'elle a vraiment une belle shape pour 62 ans, pour vrai. Ben, j'étais comme... Vraiment? Go, man, vas-y, pendant que t'es encore en shape. Mais je pense qu'elle va toujours être en shape, là. Mais... Ben non, c'est ça. Puis il y a un marché pour ça? Ben oui. Bien sûr. Tu t'en bien passes? Sûr, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense qu'il y a un marché pour tout. Check moi, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait un marché pour écouter un gars comme moi à parler devant la caméra. Puis ben je suis là. Mais moi, nos caps, ça pique ma curiosité. C'est qui s'abonne à ton OnlyFans? Ils ont quel âge en moyenne? De 20 à 50. Ah ouais. Hein? C'est hot. Ah ouais. Puis je suis même sortie la semaine. Oups. Même sortie la semaine passée, puis je me suis fait démasquer. Ah ouais. Une jeune de 35 ans qui voulait partir avec moi. C'est-tu le fun, ça? Ou... C'était cool. Au bout, j'ai dansé toute la soirée avec. Ben oui. Tabarnak, ça va bien tes affaires. Ouais, il était cool, le petit bonhomme. Ouais. Ben, shout-out. Vous êtes gentil à votre âge, hein? À votre âge, hein? Aussi. Ça dépend. Quoi, plus qu'on vieillit, ouais, plus qu'on dépend. Est méchant? Non, non, mais vous êtes gentil quand même quand vous êtes jeune. Autant que quand on est plus vieux, vous avez. Vous êtes de plaisir. J'ai dansé avec lui toute la soirée. Ça a été très agréable. Puis on a eu plein de plaisir. Puis... Ouais. Ouais. C'est comment, genre. Je sais pas comment poser ça, cette question-là. Là. Mais mettons que tu dis ça, dis-moi, je suis pourri pour poser des questions. Ça va être bon. Maladroit, ça va être bon. T'en parles à quelqu'un, genre à tout le monde qu'on en a parlé, qu'on vous recevait. Puis le monde, sont genre, ah, ouais. Tu sais, le monde, c'est comme ça les étonne que vous êtes une famille, puis les trois, vous avez une plateforme OnlyFans. Vous autres, vous vivez ça comment? Trouvez-vous ça bizarre aussi? Vous êtes ouverte, puis vous parlez de tout ça. Puis... Comment ça marche? Bien, comme je dis toujours, à Noël, tu sais, on n'installe pas la dinde, puis on se démontre laquelle qui a rempli le mieux. C'est pas ça pour toi. Okay. On la mange comme tout le monde, bien normal, puis tu sais, c'est juste que... T'es-tu sûr de ce que tu dis? Non. En tout cas, ton nom de famille, c'est No Limits. Ça, tu manges ça normalement. C'est vrai, non, mais les gens pensent bien des affaires... T'sais, on fait du contenu ensemble, on en a fait, mais c'est pas du contenu. C'est pas du contenu. C'est des photos. Ouais, c'est des photos, tu peux les seins nus, mais ce qui reste. Tu peux me retirer de ça, les seins nus. Hein. Ouais, c'est ça. Là, ah ouais, toi, t'es. Tu donnes quoi sur ton. C'est quoi vous donnez chacun? Non, ben moi, je parlais des photos, les trois ensemble. Là. Ouais. Des photos seins nus, moi, je suis pas dans ces photos-là. OK. Les deux. Mensonge. Mais ça vous. Oh, fait que peut-être que... La bataille va pogner. Mais moi, c'est ça, là, je me demande... Tu sais, moi, mettons, quand j'étais plus jeune, là, puis ma mère venait me porter au secondaire, là, asti que ça me gênait, je voulais pas que personne me voie avec ma mère. Toi, quand ta mère, elle t'a dit, moi, tout, je vais me partir en OnlyFans, t'étais-tu, ah, ben, tabarnak, ma mère aussi fait ça, ou t'étais comme, let's go, bonne idée, on le fait? Non, je ça me dérangeait pas. C'est plus quand ma grand-mère, elle m'a dit, je vais m'en ouvrir. Hein. Ah. OK, c'est là que t'as fait ça. C'est là que t'as fait. Comme, OK, essaye. Finalement, ça a quand même marché, ça m'a surpris. Ah! Ça m'a surpris. C'est ça. Elle est encore dedans, hein? Hein? Ouais, c'est ça. Elle est encore dedans, même. Ça, je veux pas le savoir. Et c'est ça, c'est quoi vous donnez sur votre plateforme OnlyFans? Quel type de contenu? Ouais. Moi, on n'a pas le même type de contenu, les trois, là. C'est qui a le moins de quoi? Contenu à nous, là. Ben, Kiara, tu peux expliquer qu'est-ce mais que moi, tu fais. Moi, c'est de tout à part des collabs. Pour l'instant, c'est juste moi et mon chum. Puis c'est pas mal de tout, là, contrairement à ma mère. Ton chum, il prend ça comment, que tu sois son OnlyFans? Ben au début, ça a dérangé. Au début, il était pas trop down avec l'idée. C'est comme un de ses amis qui l'a convaincu. Okay. Pendant le souper de Noël, il a dit comme « Hey! » Puis c'est comme tous les bons côtés.
puis. En même temps, tu fais juste des collabs avec lui. Ben, c'est ça. Mm. Off-cam puis on-cam. Ah, c'est ça. Oui, qu'est-ce que tu partages avec ta communauté? Ben, moi, je suis pas mal plus le petit mouton noir des trois, là. C'est vraiment de tout, 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 là. Mais je suis pas mal reconnue, genre, pour être comme Sugar Mommy, Step Mom, des affaires comme ça, mais j'ai aussi du BDSM, j'ai vraiment de tout, là. T'avais-tu fait un truc avec Jack LeBlanc? C'est exactement ce que j'ai fait. Attends, c'est bon. Un truc... Des vidéos avec Jack LeBlanc? Mais pas des vidéos... Des vidéos genre de porn? Ben, on a fait des petites vidéos aussi coquines, mais sans trop, trop. Y a-tu un gros bat? Quand même. Ouais, shout-out Jack LeBlanc. Hey, y a un OF, hein, mon beau Jack? Ouais, mais ben voyons. C'est artistique, là. Ouais, ouais, il monte sa couille, genre, je pense. C'est couille, ouais. Ah, ben. Oh, Chris. Vous irez voir ça. Ouais. Ah, ben, Chris. Ça, les gars. Puis c'est ça. Fait que toi, c'est vraiment No Limits. Ouais, c'est ça. No Limits. No Limits. Vous, Madame Chantal, qu'est-ce que vous partagez sur votre OnlyFans? Moi, je partage la sensualité. Ah, ouais. L'érotisme? Ouais. Calisse. Puis ça. J'aime bien ça. Ça ressemble à quoi, ça, de la sensualité à votre âge? Ça ressemble un peu à des petits strips, là. Un strip agaçant, poker? Agaçant, attirant, fatigant, tu sais. OK. Après, tu peux te coucher. Vous êtes une allumeuse, vous? Ah, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Ça a le mérite d'être clair. Exactement, ça, t'as tombé direct sur le mot. Jackpot. Jackpot. Parlant d'être des allumeuses, j'ai vu que Nadia puis Chantal, vous avez déjà été danseuses, hein? C'est ça, deux. Mais je suis là, les mais il sait tout. Ah ouais, j'en sais des affaires. Mais bon. Comment vous avez trouvé ça? Puis, OK, dans le timeline, est-ce que vous étiez danseuse en même temps ou ça s'est fait séparément, ça? En même temps, bien, dans le fond, moi, j'avais commencé. Puis, encore là, j'ai influencé ma mère. T'es tout le temps influencée par ta fille, dans le fond. Fait, tout le monde m'influence, c'est fou. Bien, c'est ça, je me rends compte. Ouais, fait que c'est ça. J'ai commencé, elle m'a suivie. Mais tu sais, on travaillait dans le même bar, sauf que quand, mettons, c'était son stage, moi, j'allais me cacher dans la loge parce que clairement, je voulais pas voir ma mère. Là. OK. C'était comme notre règle. Et vice-versa. Ouais. Quand elle faisait son stage, moi, j'allais dans la loge. Mm. C'était-tu cool, cette industrie-là, mettons? C'est-tu genre, y a-tu des cabochons? C'est-tu le fun? Non, c'était cool. Ouais, c'était cool. C'était vous avez fait cool. Ça combien de temps? Moi, je l'ai fait de 17 aller jusqu'à... Oui, à 17. Jusqu'à 23. À 17? T'as le droit de faire de danser sur un poteau d'un bar, pis ça me pas? Non. Fait que tu te faisais passer pour plus vieille? Ouais, mais je me suis fait prendre, là, mais... De quoi tu t'es fait prendre? Ben, il y a eu une descente, puis ils m'ont demandé mes cartes, mais t'sais, vu que ma fête était comme 3 mois après, ça a comme passé, ils m'ont dit « Va-t'en, reviens pas jusqu'à temps que ça soit ta fête. » Puis qu'est-ce que t'as fait? Ben, je me suis en allée. Puis t'as-tu revenu le lendemain ou t'as attendu jusqu'à 18? Non, j'ai pas revenu. J'ai attendu jusqu'à après. Dans le fond, je suis retournée à l'école. Je suis allée à esthéticienne. Puis après ça, j'ai travaillé un an dans l'industrie de l'esthétique. Puis après, je suis retournée. Fait que la police a mis fin à ta carrière de danseuse. Ouais, c'est triste. Les tabarnes. Là, j'ai une question. Parce que là, c'est comme vous êtes trois générations complètement différentes. Là. C'est reçu comment, genre socialement, être dans le... être pas une travailleuse du sexe, mais genre être dans ce milieu-là, genre. Ben, je pense que le monde, il pense... Ben, il y a beaucoup de jugements, là, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ouais. Tu sais, tout le monde pense que parce qu'on est trois générations, qu'on... Ah, parce que souvent, c'est mal expliqué. Souvent, c'est comme trois générations, mais qui partagent le même OF. Ouais. Parce que là, on n'a pas le même OF, on a chacun notre compte, puis tu sais, on voit pas... Je vois pas ce que ma mère a fait, je vois pas ce que ma grand-mère a fait. Non, c'est ça. Je crois que vous êtes comme tout le monde. On se respecte un petit peu. Ouais, c'est ça. Ben oui, 100%. Si je me demande, genre, quand vous dites qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que le monde sont genre portés à juger ou le monde, vous... Pas vraiment. Ça dépend de l'attitude de la personne. Tu sais, il y a comme... Tu sais, Nadia, c'est une fille qui est bien cool. Elle est à son affaire. C'est une fille qui est intelligente. Tu sais, on n'est pas des tout croches non plus, là. Qui aura la même chose. Et puis moi aussi, là. Je fais quand même un métier dans ma vie, puis j'ai fait beaucoup de choses. Je n'avais pas fait juste ça, là. Mm-hmm. On dit qu'on arrondit les fins de mois. Avec la vie d'aujourd'hui, très difficile. Alors, si on peut, je vais dire ça comme ça, si on peut faire ce travail-là, puis se faire des petits fins de mois, pourquoi pas? Ben oui. Hein? Ça rend tout le monde heureux, ça?
Ben oui, ça vous rend heureux, nous autres, on est heureux. Et voilà. Avez-vous des complexes, vous, ma belle Chantal? Non, monsieur. Aucun complexe? Aucun complexe. Tabarnak, c'est beau à entendre. Si on pouvait tout être comme ça. Vous, madame No Limits, avez-vous des complexes? Oui, j'en ai. Ce serait lesquels? Ma bédaine. Mon bob. OK. J'ai un petit bob de mom, fait que c'est pas mal ça. Ben, ça fait votre beauté. Oui. Vous, madame Chiara, c'est ça? Oui, les seins. OK. Après deux enfants, ciao, ciao. Ciao, merci. La visite. Ouais. Ils sont partis? Ils sont partis. Si jamais t'es trop, tu nous le dis, hein? Ah ouais, on va aller les chercher en courant. Mais ça, ouais, je savais pas. Tu dégages la chaleur, fait chaud. Ouais, on m'appelle la chaufferette. Ouais. Ah ouais. J'ai mis une bûche dans le poêle. Puis. C'est une façon de dire qu'il était de ton goût. Ou... J'aime les barbus, là. Mais... OK. Chris, t'es servi, j'ai un tapis de poêle dans la face. Toi, mon beau-frère. Oui, je me demande, tantôt tu disais dans le contenu que tu faisais, tu as dit BDSM, ça m'a accroché. C'est quoi ça du contenu BDSM, ça ressemble à quoi? Ben, je n'avais fait un moment donné, là, je n'ai pas fait, je suis pas pro rien, là, c'est juste les sensations, tu sais, on y allait doux. Là. Après ça, c'est des sensations plus fortes, mais je suis vraiment pas pro là-dedans, j'aimerais ça développer plus là-dedans, là. Mais j'avais déjà essayé, j'ai une vidéo de ça. OK, c'est, bon, c'est ouais. Ça, parce que tu fais des vidéos là, sur ton OnlyFans, là, c'est ouais. Tu fais genre des vidéos de porn, là, ouais, techniquement. Vraiment. Okay. Puis là, ben justement, je cherche un acteur pas de poils dans le visage. Connisse, le beau frère. J'ai rien pantoute, là. Je travaille genre pas. Genre ça, ça serait-tu trop de poils? Non, il est parfait. Oh! Parfait! Tabarnak, le beau frère. Ben Chris, on en reparlera après. Ça, j'ai jamais encore pensé à ça dans les éventualités de ma carrière, mais Chris, je veux avoir plus d'abonnés. Fait que peut-être que ça va arriver. On le sait pas. Qu'est-ce qui est le plus fun? Être strip ou OnlyFans? Être quoi? Être danseuse ou gérer OnlyFans? Ah, moi, j'aime bien mieux OnlyFans. Puis le fun slash payant aussi, là, c'est quoi le plus lucratif des deux? Ben, OnlyFans, c'est plus payant pour moi, là. Ouais, c'est-tu payant être danseuse? Il me semble que quand je vais au strip club, là, la fille, elle danse pas pendant 2-3 heures. Puis il me semble qu'il faut qu'elle paye pour être sur le stage, comme Chris. Elle fait-tu de l'argent? Ah oui, elle fait de l'argent. Ouais, mais comment quand elle... C'était plus payant, là. Moi, c'est il y a 20 ans, je dansais, là. OK. Ouais, je comprends, mais on dirait qu'ils vont pas souvent. Tu sais, il y en a que oui, là. Mais on dirait qu'il y en a qui sont là, Chris, ils vont pas pendant 2 heures, de genre minuit à 2 heures du matin. Il y en a qui font pas d'argent pendant toute, là. OK, dans OK. Dans une soirée, là, ça dépend... Ça dépend de la soirée, ouais. C'est ça. Mais toi, un lundi matin, tu feras pas grand cash. Ah, c'est encore drôle. Un lundi matin, c'est parce qu'il faut ouvert. C'est encore très drôle. C'est encore très drôle. Quand tu rouvres à 9, là, tu... Ah, Chris, les clients sont au bord des raids. Ben oui, je comprends ça. Non, mais OnlyFans, c'est bien mieux. T'es comme dans le confort de chez toi ou un Airbnb. Fait que... T'en as pas un qui pue. C'est sûr qu'il n'a qui pue des fois. Ben c'est non, moi, j'ai fait la vie. C'est pas de contact OF. Hein. C'est pas de contact OF. Là, dans le fond, là, on fait les vidéos, on fait les photos. Mais, c'est ça. Tandis que danseuse, ben, t'as le client devant toi. Oui, puis OnlyFans, tu sélectionnes avec qui tu veux travailler aussi. Ouais. Comme le beau-frère. Oui, exact. Pas de barbe, rien, pas en tout. Oh yeah. Pense-moi une gorgée de ça. The fire's burn. Il veut se relaxer pour tu. Ben, il faut que Chris, ça va me prendre un petit chat de confiance avant de faire un porn, là, tabarnak. Il vient juste d'être micro-influenceur. Pas trop mais... parce que ça empêche de. Ah, mais ça moi, j'ai d'habitude. J'ai pas de problème. Ben, pas avec ça, mais genre, des fois. En tout cas, whatever, là, on parle-tu d'OnlyFans à la place? Ouais, moi, j'ai une crise de bonne question. Rickard. Ah, ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rickardis? On a joué aux cartes. Non, c'est pas vrai. Non, mais on a fait une vidéo ensemble avec Marie-Maxime. Ah, oui, Marie-Maxime était là. Ah, ouais. OK, tabarnak. C'est quoi la vidéo avec? C'est-tu avant ou après notre podcast avec lui? C'était après, mais semble, parce que je t'avais vu, fait que je le followais, fait que je l'avais vu dans sa story. Fait que ouais, sa carrière a blow up depuis qu'il est venu sur notre podcast. Hein. Nous autres ouais, aussi, c'est bien ça le plus. Shout-out à Rick. Ben oui, non, il est super sweet pour de vrai. Puis pour vrai, excellent acteur, là, sans joke, il est super professionnel. Là. Mais c'est un de mes meilleurs vendeurs pour vrai. Ah oh, ouais? Sans joke. Oh c'était, ouais? C'était hot, là. C'est bon avec Rick? Ben OK. Ouais. Oh, on l'a tous déjà vu son bat, nous autres. Là. Non, pour vrai, il est vraiment hot, là, sérieux. C'est quoi qu'il a fait? C'est quoi vous avez fait, Rick? Je pense qu'il fait les scènes, il pense au concept, et c'est un artiste dans l'ombre, ce gars-là. Ouais, il est passionné. Ouais.
Oh, ouais. Il pense à bien des scènes, ouais. Et t'as-tu fait écouter Terminator? Non. Non? OK, tu lui demanderas au prochain coup, tu vas avoir une crise de bonne surprise. Y avait-tu de la bouffe impliquée dans votre vidéo? Non. OK. Parce qu'il nous parlait de gaufre, là, quand il est venu. En veux-tu une shot, Chantal? Ah, oui. Ah, go! C'est pas simple. Aïe! C'est pas pour traiter ma mère. C'est bon, Chris Fireball. Merci, merci beaucoup. Ouais, ben... Hey, t'en veux? Ah non, mais tantôt, tu m'as dit que tu voulais pas d'alcool. Moi, je respecte mes... Moi, l'âge de gêne. Nos... Ah ouais, c'est de Chris. No dit... limits, hein, que ça dit? Tac, c'est ça. C'est mauvais. Mais non, c'est pas si pire que ça. Ah non, c'est vraiment Ah non, mauvais. C'est bon, ça. Ça réchauffe. Là, ça réchauffe l'intérieur. Ça rajeunit l'intérieur, ah, hein? Ah, ben ouais. Ça décape le dentier. Calisse que c'est bon. Ah, ben oui. Chris... Mais là, Nadia t'a dit ben du squirt avec Ricard. J'ai entendu entre les branches que c'était une spécialité dans votre famille, le squirt. Ça, c'est-tu, on peut-tu développer là-dessus? Et Chris, ça a pas de l'air sûr, hein, là. T'as-tu scrappé une coupe de matelas, toi, aussi? Ça voulait dire quoi, ta face? Comment? De quoi? De famille? J'ai entendu dire que ça descendait de génération en génération. Moi. Ça coule vers le bas. Ça coule. Un petit peu. OK, c'est ça, on vient de te buster. Ouais, là. Genre. Okay. Ah, non, mais les recherches. Fuck. Ouais, non. Ben, je pense que, ouais. Ça c'est ça. On fait partie des filles très fontaines. Vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par très fontaine? Ben, je l'ai fait sur mon OnlyFans. Je l'ai fait sur mon OnlyFans en live. Je me suis dit, je vais essayer. Je le savais pas. Ah non, continue. Moi, je suis un ajusteur. Ouais, je suis technicien et tout. Non, pour vrai, j'ai testé jusqu'où je pouvais squirter. Puis j'ai fait 125 pouces. Puis je l'ai en vidéo. Hein? 125? C'est long comment environ, 125 pouces? 10 pieds? C'est environ jusqu'au caméraman environ? C'est sûr, je l'arrose. Pas loin. Tabarnak! Jack, là, quand on fait des vidéos, il a tout le temps son poncho parce que je l'arrose. Calisse. Puis t'as-tu un esti de gros jet? Ouais. Parce que moi, je suis allé voir Vandal Vixen à son show de squirt dans un bar de danseuse acharnée. Puis, elle t'avait un esti de jet, là. Ouais, c'est incroyable. Vrai, je fasse une vidéo avec elle, ça serait hot. Tabarnak. Mais... Ouais. Le Québec veut voir est-ce ça. Le plus tu bois d'eau, le plus tu. C'est ça le truc. Mais hein? Quand que j'ai un tournage, je bois de l'eau à journée longue. Là. Ben, Chris, t'en veux-tu? J'en ai de l'eau, là. Justement, c'est quelqu'un, justement, j'ai un tournage. Disais. Je leur disais, ils font ça, ils font ça. Mais non, impossible, ça marche pas avec l'eau qu'ils prennent. Oh oui, je le savais, si va chier, je me rappelle plus t'es qui. Là. Ben, mais va chier. Chose à ne pas faire, là, prendre des vitamines le matin avant d'aller faire un tournage. Quelle sorte de vitamines? A, B, C, D, E? Ben moi, c'était probiotiques. B, magnésium, puis B. Hein. Ça fait quoi? Et je squirtais couleur Mountain Dew, man. Mais ben, no cap, quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas tant. Je te le jure, là. C'est quand même moi jusqu'à temps que ça goûte pas tant le Mountain Dew, genre. Non, je pense pas. Imagine. Ah. Fait que toi, Kiara, tu bats-tu ça, 125 pouces? Je me suis pas amusée à calculer, moi. Non? Mais t'es non, une. Non. T'es une bonne fontaine, toi aussi. Ben ouais. On peut dire ça de même. Okay. OK, ton chum, il prend ça comment? Est-ce que tu peux, genre, ne pas venir fontaine aussi? Ou c'est tout le temps fontaine? Non. OK, tu peux aussi. Tu peux contrôler ça, là. Okay. Ouais. Ben, des fois, oui, des fois, non. Parce que nous autres, on est comme... Les gars, on trouve ça hot. Mettons, moi, j'ai pogné deux fois des fontaines dans ma vie. Puis à chaque fois, j'étais comme, si que je suis hot. Man. Ouais. Genre, je me trouvais hot. C'était feeling. Oh, ouais. Mais j'étais comme, si c'était ma blonde, je sais pas à quel point, genre, tout le temps, le litre 30 serait... Ah non, tu peux le contrôler. Ben, okay. En tout cas, moi. Il se vend tu mets une bâche quand on baise? Ouais. Ben, moi, j'ai une splash dry Eros. Oh! Oh! Yeah! T'as-tu utilisé le break 15 pour t'acheter ça? Ouais. Notre code promo? J'ai le mien. Ah, le stade! Oh! Non, le Limit 15, c'est ça? Non, c'est Nadia 15. Nadia 15. Ah, si. Calisse. Mais tant qu'à bon. Faire la plug Eros, on est-tu rendu là? Ben, Chris, on est rendu là, mon coco. On va commencer de la ça. Bon, ben, all right. Fait que là, comme. Ben là, c'est ça. Dans le fond, on a un segment Eros et compagnie, puis on a tout le temps des cadeaux à nous inviter. Puis avant de donner le cadeau, on aime ça savoir si vous avez une bonne anecdote de célibataire. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être sexuel, mais c'est pas obligé. Y a-tu déjà une date qui a mal viré, mettons, dans vous? Mais j'ai une question avant, ma belle Chantal. T'es-tu célibataire? Oh, shit. Puis toi, No Limits. T'es-tu célibataire? Nouvellement depuis une semaine. Oh! Une semaine! Oh! Tabarnak, félicitations! Comment ça depuis une semaine? Un shot de Fireball fait été ça. Ah ouais, donc. Un autre shot de Fireball. Calisse! Hey, mon minou, veux-tu un Roman Coke, ma belle? Non, merci.
Nadia No Limits, peux-tu m'amener deux verres, s'il te plaît? Mmh. On a soif. Elle vient de dire non. Oh, oh mais Chantal, a soif, elle. Oh. Fait que, c'est ça, avez-vous des anecdotes de célibataire? Comment ça, avec la plus jeune, d'après moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, on sait que t'es en couple, là, mais avant ça. Fait combien de temps t'es en couple? Ça va faire 5 ans cet été. Shout out. Chris, fait que t'as pas été célibataire longtemps. Deux enfants. Ouais. Puis mon autre relation avant, ça a été 5 ans aussi. Oh shit. Shit. Ouais, fait que l'anecdote célibataire, y'en a pas bien. Tu t'es en couple à partir de 12 ans, puis t'as jamais. 14, mais t'as 22. 14. Ouais, ben, Jay, ça a été combien de temps? Ouais, là, à parler, t'as 30 ans, genre. Ouais, non, là, attends, il manque un. Combien de temps? Jay, 2014-2018. C'est-tu qu'ils sont chauds, eux autres, qui appellent Jay? 2018 à là. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça va, 5 ans? Ouais, regarde. Oh, regarde-moi pas, moi, là. Ouais, nous autres, on n'a pas passé nos maths fortes, là. Toi, ma belle Chantal, veux-tu que je te coule un double rum spicy with black cola? Non, ça va aller, là. Ah, ouais, pas d'alcool. Après trois shots. Ça va aller, là. Bon, ben, je vais m'en faire un, moi. Avec du Fireball. Fireball, oui. Bon, ben, Chris, on boira du Fireball. Puis moi, mon parcours de célibataire, c'est ça? Non, non, moi, je sais quelle anecdote tu peux raconter. OK, qu'est-ce que je peux raconter? Ton histoire de merde, là. Oh non. Ah oui! On fait une histoire de merde! C'est une histoire de merde! Une histoire de merde! On y va dans la merde, Chantal. Adieu! N'hésite pas à parler fort, ma belle Chantal, on t'écoute. Bon, fait que l'histoire, c'est que quand j'étais danseuse, à un moment donné, une soirée, on nous a demandé pour faire du après. Alors, moi et une de mes amies, on est allé faire un client. Et puis... C'est quoi faire du après? C'est plus que danser. Mais moi, je pensais que c'était une rencontre que tu avais faite. C'était pas un client. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Ben, à un moment donné, les choses se sont passées. Je me suis retournée et le monsieur était en train de... De chier? Fouiller dans l'anus et manger. Ah! Arque! Il mangeait à glosette l'autre danseuse? Manger du caca? Ouais. J'ai fait non. Oh, ouais. C'est ça que je faisais par ton anecdote de marre. Vraiment, là. Quand je lis, qu'elle n'a pas de limite. Non, merci pour moi. C'est assez. Fait qu'il. Il suçait son doigt plein de marre, dans le fond. C'est ça, lui, ce qui trippait, là. Il aimait ça, lui. Tu t'es laissé faire, toi? Non, merci. Il t'a pas backdoor, là. Non, moi, non. Okay. J'ai laissé ma consœur avec, puis moi, je suis partie. Ah, mais Chris, c'est vrai que vous avez de l'air généreuse. Dans mon oreille, on me demande... Dans mon oreille, on me demande, ça coûte combien un après avec les danseuses? Bon, ça dépend. Ça dépend de la fille, qu'est-ce qu'elle cherche. C'est à la discrétion de chaque danseuse. OK. Ouais, vous, ça coûte combien, mon chanteur? Ça a pas coûté trop cher. Parce que quand j'ai vu la situation, j'ai pris ma sacoche et je suis partie. Ah, ça a été payé. Fait que c'était frais. Ah, ben c'est généreux de votre part, ça. Je savais que vous étiez généreux. C'est de la généreuse. Santé à vous aussi. Fait que toi, Nadia. Non, comprends je sais pas, j'en ai pas d'anecdote pour de vrai de célibataire parce que j'ai jamais vraiment été célibataire. Quand je suis célibataire, je suis vraiment. Je rencontre personne. Je suis plate de même. Mais là, tu viens de tomber, là, tu veux t'installer Tinder? Ben, je n'ai un parce que, tu sais, il faut que je fasse de la pub, mais je sais même pas c'est quoi mon mot de passe. Veux-tu qu'on nous conter la raison de ton célibat? Ben, dans le fond, je sortais, ben, tu sais, on est encore amis, là. C'est mon acteur principal, en plus. On a 14 ans de différence. Un petit jeune. Fait que je pense qu'on est juste pas rendu à la même place. Ouais. Y a-tu de la barbe, lui? Ben, un peu. OK. Ouais. Cool. J'ai un edge. Je sais que t'as un chum, mais c'est... On demande tout le temps la question à chaque fois qu'on reçoit des filles dans ce milieu-là, puis... C'est quoi votre genre de gars? Genre, c'est quoi ça prend pour un acteur? Ah. Ouais. Un acteur dans la vie. OK, attends. On va avec votre genre de gars dans la vie, puis après ça, qu'est-ce que ça prend pour être un acteur avec vous? Ben moi, j'ai pas de genre, c'est plus le vibe. Là. Ça fit pas. Là. OK. Mais t'as pas de préférence de base, mettons, un blond, un brun, un... Non? Non, même pas. Tu vas avec la vibe. Je suis un peu de même aussi. Peut-être plus cheveux, foncé, ça fit, mais si t'es blonde puis t'as une bonne vibe, c'est pas... C'est l'affaire. Non, moi, honnêtement, j'ai pas... j'aime les grands, j'aime le poil. Okay.
Mais tu sais, je suis bisexuelle aussi. J'ai été avec une femme aussi pendant 5 ans, mariée. J'ai un enfant avec. Fait que moi, c'est vraiment pansexuel. C'est la personne, mais j'aime le foncé peut-être. Les cheveux plus foncés. Est-ce que tu fais du contenu bicurieux? Ouais, mais t'es... Franchement, c'est tellement... Puis toi, c'est quoi ton genre de gars? Bon sang. Ça va, moi? C'est ça. Il est beau bonhomme. Ah, c'est des petits jeunes. Oh, ça peut être jeune, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 50, tant que t'es beau bonhomme. Vous êtes ouverte? Moi, je suis ouverte. Ben moi, j'ai jamais essayé une GILF dans ma vie, si jamais. Non. Si jamais ça t'intéresse, là, j'ai jamais essayé une GILF. Je retiens. Tu sais, c'est une MILF ou c'est... J'ai jamais essayé une MILF, mais encore moins une GILF. Chris Big, je peux t'organiser ça, moi, là. J'ai des contacts et tout. Ça pas trop long. C'est intéressant. Ouais, je lance c'est plus les petits jeunes qui vous courent après ou les un peu plus âgés? C'est fou, ces petits jeunes. Non, c'est ces petits jeunes, hein? Ben oui. Ils n'ont pas OnlyFans, les plus vieux, fait qu'ils savent peut-être même pas, tu sais. Tu trouveras pas un fan de 50 ans. Puis pour un acteur de cul, mettons un gars là, qu'on choisit, là, c'est comment vous les choisissez? Ben là, toi, c'est juste ton chum, fait que tu le choisis en fonction d'être en couple. Ça fait du sens. Toi, Nadia, comment tu choisis ça? Ben là, ben c'est sûr que c'est avec la grosseur de son engin. Ah ouais, en c'est parlant ça, de grosseur d'engin. Ah, j'aime ça quand tu l'as. C'est une bonne grosseur, ça, mettons, tu sais, ou c'est comme trop gros? C'est quand même très gros. Ouais, c'est gros. Charles. J'ai eu 4 enfants, là, mais. Puis la grosseur de l'engin, là, c'est parce que c'est genre, t'aimes mieux ça ou c'est parce que pour la vidéo, c'est mieux? C'est spectaculaire parce que ça fait mal, c'est pas le fun. C'est pas le fun, hein? Non. T'aimes-tu ça avoir mal? Ben. Il y a des filles qui aiment ça avoir mal quand ça se passe. Tant. Non? J'aime ça quand ça tape, limite que ça fait un peu mal, mais pas que l'utérus te sort après. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Faut que tu puisses changer la douleur en plaisir, mais si ça fait juste de la douleur, à un moment donné, c'est pas le fun. Non. Je comprends ça. Puis comment tu fais, genre, les... tu fais-tu un tournage avec, puis là, tu vois s'il y a une bonne graine, tu vas le rappeler, ou tu le fais genre, bon, ben là, crosse-toi, je voudrais voir ta longueur de batte pour voir si tu fais la cote pour ma vidéo. Je leur écris avant, puis je leur demande des photos. Et des pics. Ah, Chris. J'aime ça l'ajuster, le micro. Non, mais c'est pas... quoi à côté, genre, parce que tu pourrais le prendre dans un angle où tu pourrais mettre ton sel en 0.5 puis ton bat il a l'air plus gros, genre. Ouais, c'est sûr, faut que tu mais... mettes, genre, faut que tu mettes un verre. Faut que tu mettes une canette de Monster à côté rodé, de ton bat. Non, mais tu sais, il m'envoie une vidéo ou une photo. Parce que, tu sais, mettons, l'exemple, c'est que, mettons, je la prenais en 0.5, tu sais, quand ça pourrait faire genre crisp, pas super, mais à côté d'une canette de menthe, tu ferais genre chier chez petit. Ouais, c'est sûr. Puis y a-tu souvent des gars qui floppent, mettons que tu penses que, genre, tu sais, ils veulent venir, mais finalement, ils banderont pas parce que t'es stressé, il y a une cam. Ou... Non, t'es intimidante. Non, c'est pas arrivé, mais on se fait choquer souvent, par exemple. C'est super dur d'avoir des acteurs. Ah ouais, le monde est pas fiable, genre. Non, vraiment pas, là. C'est fou. Le monde, c'est comme, ah, oui, je veux tourner avec toi, puis ils te répondent plus. Comment ça marche-tu? T'es payé genre frais fixe ou genre ils ont une cote sur la vidéo ou tu sais comment ça marche ça? Ben, s'ils ont un OnlyFans, ils ont la vidéo puis ils la vendent sur leur compte. Ok, chacun la pose. Ouais, exact. Okay. Sinon, ben moi je les paye. Ils te font-tu une facture? Non, mais j'en fais une pareille. Là. Ça te rentre dans, quand même dans la compagnie. Ben oui, c'est dans la compagnie. Ouais, définitivement. Là. Ça a changé quoi, toi, dans ta relation au moment que vous avez commencé? Ça a-tu changé de quoi, en fait? Au moment plus que. Côté intimité, là. Si on n'a plus vraiment intimité. Tout le monde voit ce qu'il y avait d'intime entre nous deux. Ouais. Mais tu sais, reste qu'on ne filme pas chaque scène. Fait que, ben, on a quand même nos moments à nous, mais c'est plus comme avant. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous séparez genre l'argent ou tu te dans tes poches vu qu'il est acteur? Ben, c'est à moi, mais tu sais, si mettons, il y a besoin de quelque chose ou okay, je me gêne pas pour le gâter et acheter des affaires. Il y a une bonne poignée de moulé. Qu'un bonhomme, c'est ça. Peut magasiner. C'est bon, ça? Bon, ben Chris, je pense que vous êtes prête pour vos cadeaux, là. Ben oui, on est rendu là. Fait que, ben là, je pense pas qu'il y en ait de définition de quel qui est acquis nécessairement. Piger, je pense, piger chacun. Ouais, bon. Chacun votre bon tour. Call. Fait que tu veux pige là-dedans. Ouais, écoutez le son un peu, voir. Quand tu parles. Pas une seule, là, moi. Quand les filles parlent, on dirait que ça monte puis ça descend. Fais juste monter le 2. Il monte. Ben oui, vous pouvez monte dire le nom. Cas, ça, oh Chris, Nadia No Limits, tu vas tomber sur le cadeau. Ah, je pense que je sais que c'est. En parlant de gros engins. Ah, c'est de tabarnak. On dirait le bat à Jesse Jones.
Non, celle-là, ouais. il est malade. Là. Je l'ai testé. Ben, je l'ai pas testé, mais genre, j'y ai touché. Ouais, ben oui, au Chris. Il y a des vrais gosses, là. Tu peux, genre, je sais pas s'il y a des filles qui aiment ça pour vrai, mais genre, tu peux y pogner les gosses, là. Ouais. Ben, je l'ai, celle-là. Oh, shit. Check, tu peux même bouger la peau. Ouais, ben, c'est ça qui est. Ouais, tabarnak. Il y a des petites billes dedans, en plus. Attends, peux-tu... Est-ce que ça filge comme un vrai, genre, ben, peut-être? Ouais, je l'aime bien, celle-là, pour tabarnak. Vrai. Ce que j'aime, c'est que tu peux le suctionner, fait que tu peux vraiment le rider. Tu peux te coller ça dans le mur puis te faire aller le pogo. Ah, dans la douche, n'importe où. Tabarnak, chaise, c'est hot. Okay. Ça, c'est un bon bat? Ouais, ça, c'est bon. C'est bon, ça? Ça, il passerait à la cote, là. Ouais. OK. Ouais. Ça, c'est-tu niveau record? Non, Rick est bien plus gros que ça. Rick, c'est ça, je pensais. C'est le double de ça. C'est bien. Le double? Ah, pour vrai, il est vraiment large. Il est vraiment hard. Hard, je veux pas. Je... Ouais. Voulez-vous un peu d'aide, Madame Chantal? J'aimerais bien ça. Ah, ben, regardons ça. Ah, ouais, toi, c'est un esti de gros vendeur. Merci. C'est nouveau. Ça fait plaisir. Je pense que c'est le performant. Tu non, c'est genre le petit frère du performant. Là, si à la maison, ça vous intéresse, là, c'est genre le performant, il suce le clit, mais lui, il chatouille le clit. Mais sinon, c'est exactement la même affaire. Fait que c'est un banger. Si Madame Chantal, vous avez le beluga. C'est parfait pour moi, ça. Wow, c'est cute, ça. Ça va être bon pour ma prochaine vidéo. Ça. Oh, ils vous ont gâté. Tu vas aimer ça, toi. J'ai perdu mon chargeur. Là, c'est la nouvelle vidéo OnlyFans. Ouais, c'est ça. Oui, on va faire notre prochaine vidéo avec... Oui, c'est aussi que le monde peut aller vous rejoindre si jamais ils sont curieux. Ben, Instagram. Ouais, Instagram. Moi, j'ai mis le lien de ma fille et ma mère dans ma biographie Instagram pour que tout le monde puisse juste comme l'avoir. Ben, moi aussi, j'ai de vos deux liens dans mon. Ouais, c'est ça. On sait tout. Merci beaucoup. Instagram, ça va être dans la description si jamais t'as le goût d'aller t'en craquer une petite vite. T'inquiète, man. Des fois, ça nous arrive tout, man. Ça nous arrive au meilleur. J'ai que... même les instructions quoi faire avec. Ah, ben là, t'en as plus. Ah, ben là, il m'en manque un bout. Ouais. Tu connais ça? Non, c'est la première fois que je le vois, le beluga, mais Chris, c'est une maudite belle affaire. Vraiment? Ouais. Merci à Eros. Ça tente d'aller te gâter beaucoup, puis d'aller chercher le même jouet que No Limits Only Fun Girls. C'est avec Break 15 que ça se passe, mon minou. T'as 15% de rabais sur tout. Très intéressant, puis ils ont de l'air de qualité en plus. Ben oui, puis ils sont waterproof. Fait que vu que vous êtes des femmes fontaines, esti, vous allez pouvoir squirt everywhere, puis il n'y aura pas de danger. Vous vous électrocuterez pas le dedans, mesdames. Merci beaucoup. Je me demandais, est-ce que vous vous donnez des idées pour faire du contenu ou vous y allez comme vraiment séparément? Êtes-vous comme une équipe de création de contenu? T'sais, nous, c'est ce qu'on fait. On fait des meetings. On brainstorm. Vous, ça se passe comment, cette histoire-là? Non, tu m'as jamais donné d'idées. Non, mais à grand-mère, oui, par exemple. Parce que des fois, grand-mère, elle est comme pas assez hard. Fait que là, je suis comme, OK, fais ça, man, là, pis ça. Ose plus un peu. Ouais. Là, elle a fait une super hot vidéo que je lui ai dit comment faire, là, un massage, là, pis ça passe proche du micro. Excuse-moi, toujours après le micro. Ben oui. N'est-ce pas, ça chie dans mon oreille. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que j'y ai donné des petits hints, là, mais c'était cool. Devant la caméra, je suis gênée. Là, vous ouais, je peux comprendre. Voulez-vous du fireball, Madame Chantal? Ça déjà. Oui, hein? Ah, le beau-frère, Chris. Attends un peu. À l'arrêt de la caméra, c'est une autre chose. Ouais. Puis, nous autres aussi, hors caméra, on est vraiment hot avec les filles. Ah ouais, hors cam, on l'a, là, c'est gaffe. Non, vous croyez-le. Là. Ouais, on est bon. Ouais. On est vraiment bon. Niveau collab, j'ai vu que Kiara t'a failli faire une collab avec Noémie Dufresne. Ouais, elle m'a approché deux fois. Lui, trip sur Noémie Dufresne. Non, ben, plus maintenant, plus depuis hier. En passant, ça me fait penser, man. Normalement, au moment que ce podcast-là sort, il y a déjà une série sur ma chaîne qui est sortie avec... Gentil, tantôt, on vous pluguait vos affaires, j'avais complètement pas pensé, mais il y a une grosse crise de série avec Noémie qui est en live sur ma chaîne. Ça va être lui qui va faire... c'est une audition pour le premier qui va fourrer Noémie Dufresne devant la caméra. Mmh. Ouais, fait elle fait des auditions, puis là, elle m'a demandé d'organiser ses auditions puis le faire en termes de contenu sur vidéo YouTube. Je sais pas. Ben non, je suis pas... T'sais, tu disais que ça prenait une minute de grosseur, moi, je l'ai pas, c'était... Ben non, c'est pas tant important non plus, là. C'est ça. Et mon ex, il est average, puis c'était parfait. Ben ouais, mais c'est ça. Ben oui. Je pense, dans la vie de toujours, il y a moyen de faire de quoi. Je pense, pour un film de cul... aussi bien le garder dans mes culottes. Là. Ah, il n'y a pas une graine de porn star, si tu veux qu'on fasse. Mais ouais, fait qu'avec Noémie, comment ça s'est passé? Ouais, ben, elle m'a approché deux fois. La première fois, c'était au début de ma deuxième grossesse. Fait que là, j'avais dit, comme, tu sais, moi, ça me dérange pas, mais j'étais enceinte.
Puis là, elle m'a juste pas répondu. J'étais comme, bon, ça veut dire non. Ouais. Fait qu'après ça, elle m'a réapprochée quand j'ai accouché. Puis là, c'est comme moi qui a dit que j'étais pas down, j'étais pas à l'aise. OK. Je suis comme pas ouverte encore au collab. Tu sais, moi, ça marche bien en solo pour l'instant avec mon chum. J'ai pas tant de demandes pour des collabs avec d'autres filles. Mais Noémie, ça t'aurait pas ramené quand même une bonne clientèle? C'est genre la norme. Oui, ça, j'y avais pensé, mais tu sais, je vais quand même aussi avec qu'est-ce que je t'avais de faire. Moi, c'est sûr, tu te respectes là-dedans. Si un jour je suis down de le faire, je vais la retexter, c'est sûr, mais pour l'instant, je suis bien avec ce que je fais. Ouais, c'est ça. Tu fais bien. Je pense que le monde qui se perd dans OnlyFans, c'est quand ils arrivent au point qu'ils se respectent plus. Ouais. Ouais. Pour l'argent, j'aime mieux respecter mes limites. Tu fais pas comme ta mère. Regarde même. Non. Ta mère, non limites. Pareil, mes limites, c'est juste j'en ai peut-être un peu moins que ma fille et ma mère. C'est quoi tes limites? Ouais. Mes limites, ben, tu sais, je vais pas où il y a de la merde, où il y a de l'urine, du vomi, des choses comme ça, là. Mais j'aime ça essayer des nouvelles affaires. Je suis toujours ouverte à tout essayer, là. C'est quoi la dernière nouvelle affaire que tu as essayée, Nadia? Mais pas grand-chose, honnêtement. J'aimerais ça que la réponse soit le beau-frère. Ouais, j'attends sa réponse. Hey, vous faites du cash, là. Eh oui, Chris. Ça va prendre encore deux, trois shots de Fireball ben avant d'avoir la confiance. On voit ça par ici. Là. Ça le mérite d'être clair, là. Ah oui, ça va me prendre un autre 13 ans certain. Veux-tu un double rum, mon chum? Donne-moi tout ce que tu veux. Toi, Nadia, un petit rum coke. Ben là, rentre-là, ah ouais. Non, mais tu vas pouvoir boire ça avec mon beau-frère. Tu veux donc bien saouler le monde, toi? Ben oui, ben non, mais c'est un Chris. C'est un podcast festif, ben délicieusement cochon, man. On est en famille, là, ça peut être festif. Ouais, c'est un an et un mois et demi, man. Fait qu'on a le droit de faire ça. C'est une occasion, je pense. Un an et un mois et demi, câlisse, Danny. C'est quoi que tu viens de dire? On fête notre podcast d'un an et un mois et demi. Ah, Chris. On va l'oublier. En fait, c'est de moins drôle aussi. Ah ben oui. T'avais-tu une couple de questions fast-forward? Il me semble que t'avais préparé ça, le beau-frère. Non, mais j'ai... T'as pas lu mon pacing. dans le fond, j'avais une question niveau Fuck, Marry, Kill qui s'adresse plus à Nadia, mais je pense que tout le monde sait un peu c'est qui. J'ai un Fuck, Marry, Kill version collab à Nadia No Limit. Fait que t'as collaboré avec Eva Pomponette qu'on a reçue sur le podcast. Sonia Von Sacher, qui est une grosse OnlyFan connue du Québec, puis Marie-Maxime. Fait que Fuck, Marry, Kill entre ces trois-là. Oh my God. Ben, Marie-Sonia est très cochonne. Ouais, ça, il paraît. Elle se dit qu'elle dégage le sexe, hein, je suis d'accord. Elle dégage pas juste, elle est Elle accouche avec des handicapés, puis tout, c'est quand même, c'est cool, ça, ce qu'elle fait. J'aimerais ça, moi, faire ça, ben, tu devrais en avoir plus qu'ils font, c'est le fun. Mais c'est une belle, là. Si vous êtes handicapé, slidez dans ses DM, elle cherche des collabs. Non, mais Chris, on va en faire la business. Ben, pourquoi pas. Mais c'est ça, je marie Sonia clairement. Je tue Eva. Je m'excuse, Eva. Je suis vraiment désolée. Je t'aime au bout, là. Puis Marie, ben, je la baisse. Marie, ouais. Marie est fourrable. C'est le fun avec un strap. Hein. Ah ouais, hein? Je l'ai fait. Toi, qu'elle fourre? Moi, je l'ai fourré, ça. Elle, elle a-tu refourré une bague? Non, Marie, elle est soumise. Elle aime ça. Ah ouais, hein? Ah, Chris. Puis c'est quoi qui fait, genre? Mettons, pourquoi Sonia est plus. Genre, qu'est-ce qu'elle faisait de mieux que les autres, genre? Ah, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Puis, tu sais, genre, quand on se touchait, Sonia, elle aime autant les femmes que les hommes. Peut-être moins Eva puis Marie-Maxime. Ouais. Fait que, tu sais, moi puis Sonia, c'était chaud. Okay. Ouais, c'est ça, quand qui aime ça, tu sais. Ah, ouais, tu sais. C'est un peu comme une pipe, man. Quand la fille, elle aime ça pour de vrai, c'est genre. Tu le sais qu'elle aime ça pour de vrai, comparé à une fille qui le fait plus pour te faire plaisir, maintenant. Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ce que vous savez, c'est quoi, Madame Chantal? Fuck, Mary Kill? Non. C'est, t'en maries un, on te donne trois choix. T'en maries un, okay. Tu baises avec un, puis tu tues l'autre. Fait que ça veut dire que t'en veux un au top, t'en veux un pour une soirée, puis tu veux un qui crève. Ah, okay. Les trois gars te prennent un break, là. Fuck, marry, kill. Dans l'ordre, là, mettons. Ça serait quoi votre... Hein? Ça, c'est nous trois, là. Qui tu maries, qui tu fourres, qui tu tues? On vous écoute. J'irai avec qui je marie. Exactement. Fait que lequel? Lequel? Comment il faut que tu choisisses? Lequel? Ouais. Choisisse lequel un de nous trois. Maries, oh, il y en a. Faut que t'en maries un, t'en fourres un, puis l'autre, tu le tues. Bon. OK. Oh, c'est dur, ça. Ah oui, comme c'est Rick. Difficile, c'est parce que vous êtes tous et toi vraiment... Vraiment charmant, on le sait. Oui. On est habitué de sa fortune aussi. Bon, alors, je te marie. Je te baise.
les membres. Oh, oh yes! Fuck moi et n'importe quand, girl. Non, oh, yeah! On va me faire un autre chat de Fireball. Non, ça, j'aime ça. On retourne. T'en avais-tu un pour... Ben oui. Ouais. Quoi? Non, vas-y, vas-y. Hélène, Noémie Dufresne, puis Jade Lavoie. Chiara. Je marie Hélène. Oh, shout-out, Ellie Baby. Parce qu'elle a du cash ou parce que la trouve hot? Non, je la trouve hot. Un peu les deux. Fine. Oh, elle est top G, Hélène. Elle est fine, pour vrai. Non, non, elle est fucking G. Shout-out. Je suis Jade. Ah, oh, ouais? Ouais, je la suis pas tant, je la connais pas tant. Mm. Puis je suis Noémie. Ouais, okay. Je peux comprendre ça. Ouais. Toi, G, le même trio? Je marie Noémie, je fourre... Ça me fait chier parce que j'apprécie carrément Hélène, là. Je l'aime vraiment. Mais... Jade Lavoie, elle pique plus ma curiosité niveau sexuellement. Fait que je pense que je fourrais Jade. Puis je tuerais Hélène. Il faudrait vous demander avec vraiment... le trio de nous autres. C'est ça, toi le beau-frère. Chiara, Madame Chantal ou No Limits? Shit, c'est la première fois qu'on se fait revirer cette question-là. Chris, c'est inconfortable comme question quand tout le monde est dans la pièce. T'en fermes ta gueule, hein? J'affarme ma gueule. Fuck. Ben, je vais marier Hélène parce que j'ai l'impression que tu fais bien à manger, on dirait. C'est Chantal. Ouais. Chantal, excuse-moi, on vient de faire Hélène. Oh, ah, excuse-moi, ça m'est resté dans la tête, c'est malaisant. Mais je te marie quand même, fait que c'est comme... Je suis désolé de m'être trompé dans ton nom, mais au moins, je te marie. Je vais fourrer... ben là, je vais faire un film de cul avec toi, fait que je vais coucher avec toi, puis je vais te tuer, Kara. Je suis vraiment désolé. Ben, t'es en couple. Ça fait mal, hein? C'est déjà... Mais j'ai malheureusement la même réponse, mais parce que t'es en couple. OK. T'es en couple. Ben non, mais de quoi, mais Moutou, là, c'était ça. Genre, il n'y a pas de... Ah, mais moi, je l'ai expliqué, tu sais. Frank? Frank, je vois bien, moi. Ouais, toi, fuck, marry, kill. Moi, je pense que je marierais No Limits. Oh! Je coucherai avec Chantal, puis ben là, tu t'es Fuck! Kiki, elle se fait tuer tout le temps! Fuck! Pauvre amour! Non, mais là... Mon petit amour! À chacun son burger. Vous, ma belle Chantal, vous pensez arrêter les fans jusqu'à l'âge de... Tu sais, vous pensez prendre votre retraite à quel âge? Quand c'est quand le comme vous baisser. Quand ça va descendre. OK, ouais. Là, tu fais trop de cash pour arrêter, là, c'est ça. Ben, j'en fais un petit peu, ouais. OK, je suis content. Tant que ça va être bien, puis tant que mes fans aiment bien me voir, pourquoi pas leur offrir ce dont ils veulent. Mmh. Est-ce que vous offrez un genre de trio familial? Non. Genre... Ils ont dit tantôt qu'ils font pas de contenu ensemble. Non, pas un contenu ensemble, mais genre les trois OnlyFans okay, pour le prix d'un. OK, tu t'abonnes au ça serait bon. Ben, honnêtement, là, quand le podcast va sortir, on s'est dit qu'on se mettait tout genre pas cher pour que ça fasse comme un 3 pour 1. Oh, ah, ben oui. Ouais. Non, mais vous l'avez entendu, c'est mes curieux. Man. Eh non, man, on fait pour ça pour vous, man. On va vous chercher des rabais, c'est jouets sexuels, c'est contre les fans. On pense à vous sur Prends un break, on vous dit. Grâcez-vous en pensant à nous, man. <C'est>... Et toi, vu qu'on t'a tué, les trois, fuck, marry, kill, les trois. Fuck. American. Fuck! Oh, si bon, si la malédiction. Fait que là, on baise le même gars, ça marche pas. Oh. Ah, yeah! Mes enfants vont bien! Non, non, non. Mais il y a de la mine dans le crayon, le beau-frère. Fait que ça, s'il va être capable de donner le il l'a mince dans le site. Non, ouais. J'ai pas de barbe, mais ça il va. Il l'a mince dans le site. Ça fait un bout qu'il s'est fait tuer, le beau-frère, là. Oh, ouais, ça, c'est ça. Nous deux, en esti. Échave, t'es raide. Je tiens à dire que Noémie m'a marié. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toi, No Limits. Mmh. Oui. Fuck, marry, kill, les trois, get prend un break. Ah, les trois? Ben, oh, c'est chiant, hein, j'aime pas ça. C'est dur, hein? Je fuck le beau-frère, c'est sûr. Ah non, je t'en parle. Tabarnak, tu pues le sexe, c'est mieux. Ben oui, non. T'inquiète, je t'en. Tu choisisses les mêmes que moi. Calisse. T'as le même que moi. Ah, yeah, vous avez droit de la même. J'aimerais ça depuis tantôt. C'est familial. Entre vous deux. Est-ce que vous êtes déjà compétitionné pour le moment? T'es tout le temps. Qui squirt le plus loin, genre? Faudrait qu'on se mette une à côté de l'autre, mais ça arrivera jamais. Non. Non, mais tu sais, vous avez un mur séparateur, puis. Même pas, je serais pas capable. T'as Rickard qui passe. Ah, non! Non, mais Chris, il connaît ça. Non, 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 non. On pourrait pas toucher à la même personne. Non. Non. Même, genre, même si c'était le beau-frère.
Même moi? Je pourrais faire une exception. Ouais. Puis si elle s'est bobette à beau pénis en plus, c'est moi que ça se peut. Ouais. Grand-maman aussi embarque sur le projet. Shit que je parle. OK. OK, c'est deux options. Vous choisissez c'est quoi que vous préférez. Soit tu fais 1 million avec un film de cul. Fait que genre, faut que t'en fasses un de cul, mais après ça, ton OnlyFans, il ferme, c'est fini. Ça, ou tu fais 100 000 par année avec ton OnlyFans, mais tu peux jamais faire de film de cul. Puis ta carrière dure toute ta vie. Mais ta carrière peut durer longtemps. C'est ça, c'est 100 000 qui est genre... Mais faut que tu fasses tout le temps du contenu. Ou un film de cul, puis c'est 1 million, puis c'est fini. T'as tout compris, ma question. Non, moi, je fais de 100 000. J'aime vraiment ce que je fais, sérieux. Non, oh, ouais. T'es une professionnelle. J'aime vraiment ça, puis je suis vraiment dans mon pic d'hormones, de préménopause solide, là. Ah, oh, ouais, ça a cogné à la porte. C'est quoi ça fait, la préménopause? Tu es indiscret comme question? Mais je sais pas, ça donne chaud, en tout cas. Ça, c'est OK, ça, c'est pas Frank qui donne chaud, c'est vrai. Mais les deux. OK. Parce que, tu sais, c'est ça, t'as tellement les hormones ici, là. I'm a drip, papa. C'est vrai? Je suis en esti, man. Pas d'allure. Puis l'alcool, c'est quoi, ça? Double rum spicy with black cola! Je te dis, c'est une putain de tuerie. C'est du Havana Club, 7 ans, c'est bon, hein, Chris. Ouais, fait que c'est la première pause, ça donne chaud. Dans tous les sens. Fait que dans le fond, tu t'es crissé célibataire en sachant que Frank the Jupper allait être là à soir. Je viens de lire dans tes yeux, nos limites. Oh. Je viens d'être démasqué, ouais, c'est ça. Est-ce qu'avec l'âge, on devient de moins en moins horny, Madame Chantal? Ben, Chris, c'est ma question. Je m'inquiète, moi aussi, je me demande. Ce qu'on a horny, c'est de moins en moins le goût de faire du sexe. Non. On a toujours le goût. Toujours le goût, Chris. Ah oui. Ça diminue-tu? C'est nos limites. C'est quand ça diminue? Il suffit juste d'avoir la bonne personne, par exemple. OK. On est un petit peu plus sélectifs. OK. Ah, mais c'est pour ça que j'allais dire ça, parce que tantôt, tu disais que c'était des jeunes qui s'abonnaient. Oui. À ton OnlyFans, puis j'étais comme, ouais, peut-être les jeunes sont plus au courant de OnlyFans, puis comment ça marche, cette plateforme-là. Mais aussi, je sais pas à quel point les plus vieux, genre 40 ans et plus, ils ont la libido nécessaire pour s'abonner au OnlyFans, tu sais. Sûrement, oui. T'as des hommes quand même âgés qui ont une bonne libido, là, autant que jeunes, là. Autant qu'un genre de gars de 18 ans, oui, là, ouais. J'en ai connu. Des vieux cochons. Bon, comme ça. Qu'à 18 ans, Chris, on a quand même le poignet facile. Là. Ah, ben il y en a qu'à 60 qui ont le poignet facile. Ah, ouais. Oui, il y en a. Et pour la question de tantôt, moi, je prendrais le million. Ah, ouais, hein? Oh, un film de cul, puis après ça, c'est fait, là. Est-ce que vous iriez en Floride? Ça serait quoi votre retraite dorée, vous, Mme Chantal? Ah, ben c'est ça. C'est de rencontrer quelqu'un là, qui a beaucoup d'argent, puis qui est capable là, de m'emmener en Floride, vivre, faire des voyages, être bien, là, comme une princesse finie seule en beauté. Vous t'sais. Le méritez en tous les cas. Oh, c'est fin, merci. Ça fait plaisir. Moi, ce serait le million aussi. Ah ouais? Ouais. Puis t'arrêterais ça, mais t'as peut-être plus de potentiel de faire plus de cash qu'un million. Hein? Ouais, mais je veux pas faire ça toute ma vie non plus. C'est quoi ta fenêtre de temps? 2 ans. 2 ans encore? Oh, ouais. Puis après ça, j'aimerais s'arrêter. Puis tu voudrais faire quoi dans 2 ans, mettons? Est-ce que tu veux utiliser... T'sais, tu veux-tu continuer à faire du contenu? Tu veux-tu rester sur Internet? Ben, j'aimerais ça rester sur les réseaux. Mais je sais pas encore vers quoi je m'en vais. OK. Tu penses que ça va te fermer des portes d'aller dans ces réseaux? Je sais pas. C'est plus mon OnlyFans qui fermerait des portes. Exact. Mais... Ben... Parce que moi, je choisissais de l'alcool, puis j'avais vraiment eu de la misère à me faire signer mes premiers deals. Là. Lisanne a quand même eu un OnlyFans, puis... Ouais. C'est ça. Ah, mais c'est ça, mais t'es Lisanne. Ça dépend du monde, ça dépend t'es qui. Oui, je comprends. Ouais. Ça dépend comment tu te rebrandes, là, si tu y vas. Lisanne... Lisande, elle fait pas du porn. Mais Hélène, elle pourrait arrêter, là, puis je suis sûr qu'elle trouverait le tour d'être sur le réseau à côté. Je pense qu'il faut que tu arrives à un point que tu es tellement populaire que les compagnies sont comme, peu importe ton image, tu ramènes tellement de cash que je m'en calisse. Mais tu sais, on parle de Lisande Nadeau puis Hélène Boudreau. Il n'y a pas mille noms. Il y a no limits, bro. Ouais, c'est ça, Chris. No limits. Mais peut-être un jour, vous allez vous rendre à ce point-là. On vous le souhaite. J'espère. Mais moi, j'ai comme d'autres plateformes aussi qu'on est fans. Je prévois pas non plus faire ça toute ma vie, mais là, je développe beaucoup Twitch. Je fais un saboton bientôt. Mmh. Tu comptes faire combien de temps? Ah ouais, c'est vrai, tu sais. Saboton, c'est tu es devant ton ordi, ben parce que puis tu c'est non-stop, c'est non-stop. Ça? Non-stop. Je dors. À chaque fois que quelqu'un s'abonne, dans le fond, ça rajoute du temps au timer.
sur Twitch. Tu es en live pendant jusqu'à ce que mort s'en suive. Exact. Puis même Nadia, quand. Nadia est vraiment. Tenace. Elle est vraiment hot dans son métier. Vraiment, c'est sa place. J'ai YouTube aussi, j'aime ça, rire au bout. Là. Ouais, c'est ça, on a YouTube, vu, tu fais, c'est des vlogs que tu fais dans le fond. Ouais, c'est humoristique aussi, là, tu sais, j'ai une vidéo avec les trois générations. Je fais vraiment n'importe quoi sur ma chaîne YouTube, mais tant que c'est drôle. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, je ricane à tout. Je pense que t'as remarqué. Hein? Ben oui. Mm. T'as une joie de vivre. Ouais, vraiment. Est-ce que t'as déjà connu le grand amour? Il est dans la zone, là. Comment il s'appelait? Germain. Germain? Ah, okay, oh, Christ. C'est un nom. C'était-tu un vrai? Est-ce qu'il gérait le truc? Non, c'est un nom. Non, c'était vous, la Germaine? Oui, oui. Ah, c'est bon, ça. Puis pourquoi t'es plus avec Germain, ma belle Chantal? Oh, parce qu'on a été 21 ans ensemble. T'as essayé, hein? À un moment donné. T'as essayé du même bat, hein? Non, pas ça, pas tout. Ben oui, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est pas ça, pas tout. Oui. C'est assez. On a choisi, on s'est perdu à un moment donné. Quand ça fait longtemps que tu vis avec un homme, ouais. À un moment donné, on dirait qu'on s'intéresse un petit peu moins à l'autre, puis on vient qu'on. Je sais pas. Ben oui. On s'écarte un et l'autre, et l'amour descend. Puis je pense que c'était rendu là. On comprend ça. C'était quoi votre plus gros défi de couple? N'avait pas. Pas de défi, Chris. Il n'y avait pas de défi pour alimenter la flamme, c'est exactement. Ça. Tabarnak que je comprends ça. Exactement. C'est ça. Toi, t'envisages-tu rester un bon petit bout avec... Quelle question. Ouais, ben pour l'instant, ça vient. On sait que ça se peut que ça arrête, c'est de la merde. Mais là, c'est-tu le père de tes enfants? C'est le père des deux. Okay. Ouais. Fait que là, c'est quand même sérieux, là, votre affaire. Ouais, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a des hauts, des bas, comme dans toutes les couples. Là. Mais on dirait que j'essaie de plus régler... qu'avant, vu que justement, on a des enfants. Kiara est une très bonne... c'est une très bonne maman et une très bonne femme aussi. OK. Impatiente. Elle est très patiente. Elle a des choses qu'elle patience, que je ne patiencerai pas. Ah ouais? Elle c'est pas le patience. Oui, beaucoup de patience, Kiara. Vraiment, elle donne des fois, c'est petite fille sacoche. OK. Merci. Puis t'es-tu un peu Germaine comme ta grand-mère dans le couple ou comment ça se passe, votre dynamique? Non, moi, je suis plus... je vais le faire, puis il va faire tes affaires. Si, parce que, mettons, je lui demande de faire de quoi, puis c'est pas fait à ma façon, je vais repasser en arrière. Fait que rendu là, je vais juste le faire. Fait que tu fais tout? Ben, beaucoup, mais pas tout. OK. Pas tout. Faut bien y aller. Fait que lui, il fait quoi? Hein? Fait que lui, il fait quoi? Il aime bien gamer. Oh, ouais, hein? Fait que lui, il game, met ça sur pause, allume les caméras, bing, 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 45 minutes. Puis après ça, Chris, il est bien, hein? Tout compris. Bon, les gars, je suis back. Ah, Chris. Shout out, hein? C'est quoi son nom? Peter, shout out. Pas Peter McLeod? Non, okay. Non, mais je pense que c'est de la là qu'ils ont pris son nom en plus. C'est de là qu'ils ont pris son nom? Ouais, de Peter McLeod. Je pense, je suis pas sûr. C'est la matraque. Ouais. La matraque, c'est... C'est son bat. Mon beau-fils. OK, il y a un... puis tu... il y a un gros bat. Ton beau-fils. J'aime ça que tu dises ça comme référence. Ouais. Mon beau-fils, c'est la matraque. Maman. Il est bien chafté en Chris, mon beau-fils. Es-tu jalouse que genre tu peux pas l'utiliser comme acteur? Non, pas à tout. Raconte-tu l'anecdote? Ouais, mais c'est Jack, là, dans le fond, il réalise pas que c'est ma fille, tu sais. Fait que là, ma fille est à genoux avec le bat de mon beau-fils dans la bouche, tu sais. Puis il fait « Hey, check ça! » Fait que là, moi, je regarde, tu sais. Là, je réalise, c'est ma fille. Oh là là! Oh shit! Tu sais, fait que là, je le tasse. Mais là, j'ai vu qu'il y a un gros pénis. Fait que je le repogne, je regarde, je fais tabarnak, OK. Ouais. Tabarnak, Peter. C'est-tu là que son nom, la matraque, est venu au jour? Ouais. OK. Es-tu policier? Hein? Es-tu policier? Non, non, non. Vous devriez faire un scénario de police. Oh. Ça, je dirais, mais moi, je suis créateur de contenu. Scénario, ouais, c'est bon, ça. Non? Non, moi, c'est, tu pars la caméra, tu fais ce que t'as à faire, tu fermes la caméra. Puis est-ce que vous pensez vous diversifier au niveau de vos contenus ou vous en lignez toujours non, sur ben ça, ce que j'aimerais vous faites? Ça, me déjeuner puis faire des scénarios. Ben oui, c'est... Moi, je suis un gars de scénario, moi, ouais, quand mais j'ai fait de beaucoup, la porn. C'est ça. Moi, j'ai une crise de bonne idée. Tu, le gars, ton chum pourrait être un genre de livreur de pizza. Il fait un trou dans une boîte à pizza, puis là, il dit, votre pizza est servie, puis il y a sa graine, est-ce que... extra pepperoni! C'est bon, ça. C'est une idée que j'ai eue. Toi, le beau-frère, c'est quoi ton scénario préféré? Je suis curieuse. De porn?
Je suis rodé, moi. Il y en a une couple que j'aime bien, là. Le classique policier, j'aime bien ça. Sinon, ouais. Récemment, là, ce que j'ai dit, je trouve drôle, là, c'est genre... Il y a du monde que c'est comme, ils font visiter une maison. Fait que c'est genre, mettons, la fille, ben c'est oui, genre, là. Elle fait visiter la maison, puis la maman, elle reste pognée quelque part, genre, mettons, elle essaie d'être dans sécheuse, puis elle reste pris dans sécheuse. Bien sûr, elle est pas capable de sortir, mais comme Chris, aide-moi. T'écoutes ça pour vrai? Je sors pas. Ben, je trouve ça quand même drôle. Genre, j'écoutais ça, là, pour te dire, mais j'écoutais ça quand j'avais 16 ans. Ok, moi, je viens de me rendre compte que ça existait. Puis genre, au début, j'écoutais ça pour rire, puis finalement, j'ai fini par me crosser parce que Chris. Mais genre, ça reste que comme, c'est ça, est pris, puis là, elle sort pas, puis là, le gars, il est genre, attends un peu, je vais t'aider, puis finalement, il y a faux, puis à la fin, elle sort, tu sais. Ça, ben oui. Ça donne bien, j'ai pas de scénario comme ça, si jamais. Là. I'm stuck! Bon, Chris, moi, je suis bon pour dépogner le monde des sécheuses, mec. Mais des fourrés avant, on tient de quoi, là? Avant de dépogner le bras, je vais te fourrer avant, tu sais. Mais là, on parle sérieusement, là, attends vite, là, tu y vas-tu, le beau frère? Faire un porn en ouais, c'est ça qu'elle veut savoir. Moi, là. Je suis vraiment partante. Là. C'est ça, le cas. S'il y a bien beau rire dans le beurre, là, mais elle veut le savoir. S'il y a 500 likes. S'il y a 500 likes, c'est sûr que je fais du. Ok, s'il y a, s'il y a 20 000 écoutes sur sa première vidéo de Mini Bars Boy, d'ici un mois, il va le faire. C'est bon, ça, 20 000, Chris? Une semaine. Une semaine, 20 000 écoutes 20 000 sur la chaîne de Mini Bar Boys. Émile va faire un premier porno avec Madame Yo Limits. Mettons, on te relance la balle, Nadia, mais mettons, hors caméra, ça t'intéresserait-tu, le beau-frère? Tabarnak. Agnès, c'est pas elle, là. Agnès, c'est pas pour de vrai, là. Ouais. Mais oui, c'est ça que... Il est cute, puis il est gêné, c'est ça que j'aime. Okay, c'est, ouais. Ça, mon, c'est ça que j'ai réalisé, c'est ça mon, ouais. Mon hit factor avec ah, les filles. Moi, j'aime ça, rendre des malaises, puis j'aime ouais. Ça gêner le monde. T'es-tu vraiment. Dominante? Ben, ça donne que oui, mais non. Tu sais, genre, on dirait... Peux-tu être beaucoup moins clair? Je comprends ben trop, moi, là. Mais je dirais que dernièrement, je suis beaucoup dominante, mais j'attends mon dominant. Tu comprends? Ah, le beau-frère, il aime ça dominer. Je suis là pour dominer Madame Nadia. Ben non, je sais pas, là, c'est quoi dominer? Là, non, je suis doux, pis tout. T'aimes-tu mieux de faire étrangler ou de faire tirer les cheveux? Étrangler. Étrangler, hein? Le beau-frère, il est bon pour étrangler. Il y a des grosses mains de constructeur. Ah, j'ai des... Ah, pour vrai? Ouais, ça dit que t'as un gros pénis. Ben, dans ces moments, t'as beau pénis, en tout cas. Ouais, quand j'ai ma bonne paire, là... Ah oui? Ah, ouais. J'ai un beau, beau bat dans ce temps-là. J'ai ma paire chanceuse, là, puis... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? 50 fois, tu dis que t'as chaud. Non. Je l'ai pas dit. Ah, c'est la préménopause. C'est quoi votre plus grande passion, Madame Chantal? Vous m'intéressez, j'aime ça. Vous creusez. Ma plus grande passion. Votre passion dans la vie, tricoter, faire des vidéos OnlyFans, boire un petit brandy, jouer aux cartes. La coiffure. Ouais. C'est vrai que vous êtes bien coiffée. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Mais vous étiez coiffeuse? Je suis coiffeuse. Encore? Ah. Je suis coiffeuse professionnelle. Ça a arrêté pendant la COVID, fait que là, vous avez commencé votre OnlyFans. Exactement ça. Puis là, finalement, vous êtes recommencé à coiffer? Je fais encore mes 48 heures par semaine. J'aimerais ça que vous donniez des conseils à mon beau-frère parce que il l'échappe, cet ancien. C'était pas ça le plan, ma coupe de cheveux. Là. Je me suis allé hier, puis ça a pas été ce que j'ai demandé, mais garde. Hey, Frank! T'as-tu fini de coller le monde sur leur coupe de cheveux? Check-toi, man. Enlève ta calice de tic deux secondes. Mais non, là, j'enlève pas ma tic. Non, enlève-la, man. Non, là. Nadia, non, les mecs, c'est pas si donc enlever sa tic. Non, elle veut vraiment avoir tes cheveux. On peut pas. Il y a une surprise en dessous de ça que vous avez pas vue. Ah, ben, je le vois en arrière un peu. Mm-hmm. Bon, ben. Si le beau-frère fait une vidéo de cul, Frank va montrer ses ben cheveux. Ben le cul, c'est pas égal! C'est quoi ça? Fair enough! Fair enough, en Chris! Moi, je vais être rendu une porn star, lui, il monte son cul. Calisse qu'on a du fun! Bon, mais Chris, on a nos dates à faire. Pour ton OnlyFans, No Limits. J'ai vu ça au show de Vandal Vixen, là. Elle crissait le feu à terre avec du gaz à lighter. Mmh. Après ça, elle se faisait squirter, puis elle éteignait le feu avec son squirt. J'ai été abasourdi, esti. J'en ai déjà un. Ah, oh, esti. Calisse. La vidéo de pompière. Non, oh, ouais. Oui. Est-ce que la toune, c'est où sont passés les tuyaux? Mon frère, il a aussi... il est habitué avec les squirters. Pour vrai? Oui. Hey, ça hey oui, demande ça à son soir. Coloc. Il pourrait te ramener dans la chambre de son coloc. Le matelas, il est déjà scrapé. Non, oui.
Là, il est crissement pas scrap en passant, si t'écoutes ça. Shout-out à sa blonde qui l'a payé, le petit matelas. Hey, ta Ça va mais pas. Ouais, il reste un mais petit segment. Les gars, vous êtes célibataires. Tu es célibataire. Ah, ben oui. Solidement. Et vacciné. Aussi, on pogne pas, ben ben. Non, on pogne pas tant que ça. Pas grave, on fait des bons podcasts. On travaille fort. Ouais. Moi, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quand même triste, notre affaire. Ouais. Ben ouais. Puis, vous avez quel âge, vous autres? Moi, j'ai 23. 23? 23 aussi au niveau du beau-frère. Je pense genre 24 quand ça va être sorti. Ah, devenez donc plus... l'âge à Frank. T'es le plus jeune, ah, c'est toi. C'est sa fête. C'est ta fête quand? Ma fête, c'est le 6 avril, puis je pense que ça va sortir un peu après. Ou peut-être, mais peut-être avant, lui, en tout cas. T'es-tu un bélier? Bonne fête. Moi, je suis un bélier. Ouais, bonne fête. Bonne fête à la merci. Caroline, merci. Je m'attendais pas à ça. J'ai un cadeau. Les choses se passent, nos limites, tabarnak! Aïe, aïe! Hey, je pensais pas que t'étais aussi accueillante que ça. Ma mère m'a bien élevée. Mais oui, devenez donc l'âge à Frank. J'ai montré les bonnes manières. 28? Il y a quelqu'un dans mon live aujourd'hui qui t'avait dit que t'avais 51. Oh! Là, c'est comme, ben non, on se rapproche. Non, moi, je vais me mettre à 30 ans à peu près. Ben non, il y a 30 ans à peu près. Ouais. J'ai la moitié de ton âge. 31. Oh. C'est ça. C'est ça, je te mets. Oh, ouais, 62. Ouais. Mais je pensais pas que c'était toi le plus jeune. Je pensais que c'était lui. Là, ça, je le cache bien, mais. Ouais, tu le caches bien. Ouais, c'est, je me tiens en forme, je fais du jogging. Putain. C'est qu'il s'est ouais. Vite coupé, puis là, il est tout rosé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de poil. C'est ça. Je me tiens en forme, je fais du jogging, puis tout. Je ressens. J'ai l'air jeune. Non, mais ça te rajeunit pas de barbe. Ouais. Toi, ça te fait bien. Ouais, c'est le petit. Ah, ouais, ouais. C'est quoi vos projets pour cet été, Madame Chantal? Profiter de l'été. Faites-vous du camping? Je fais de tout. Comme quoi? Ah, quatre roues, skidou, sidou. Du skidou l'été? Ah, ouais. Ça va bien vos affaires. Non, je veux dire sidou, quatre roues, de tout. Vous êtes une femme de machine. Je fais du patin à roulette, je fais du rollerblade, je fais du. Je fais pas mal de tout. Ah, c'est pas pire, ça. En forme. Pendant que tu essaies de me battre le shaft avec ta botte, qu'on lise le tabarnak. Un peu serré sur une chance d'un double rum spicy qui me protège la fourche. Bien écarté, hein. Fait que moi, j'essaie de me fitter là-dedans. Qu'est-ce que là. Tu veux dire? Toi, c'est quoi tes plans pour cet été, ma belle Nadia? Moi, cet été, là, je vais faire une tournée au Québec parce que je veux faire des meet-ups. Je veux rencontrer tout le monde, tout mon petit monde TikTok. Fait que je l'ai pas fait l'année passée parce que ma fille, elle a accouché puis ça a comme été un imprévu. Ben, pas un imprévu, mais tu sais, ça a comme un peu défait les plans. Mais cet été, c'est ça. Puis il se passe quoi dans un meet-up avec No Limits? Ben, on a du fun. On va manger au resto, on rit, on sort. C'est ça. Là, je suis célibataire, fait qu'on en profite. Là, OK, fait que ton été, c'est juste faire des meet-ups. Tu ben non, dois faire d'autres choses. Oui, bien là, j'ai une belle maison qui m'attend dans une semaine. Je déménage, fait que je vais avoir un spa. Ben, j'ai des enfants aussi, je suis maman, là. Fait que passer du temps avec mes enfants aussi, travailler. T'as-tu plusieurs enfants? J'en ai quatre. Il y en a quatre, tabarnak, OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a d'autres qui s'enlignent dans votre trail? Only fine? Bien, ils ont 16, puis 15 ans, puis 4 ans. Fait qu'on va leur laisser une petite chance. Oui, ouais, vu de même. Ouais, bonne idée. C'est ça, puis... Si c'est ce qu'ils veulent faire, ben je respecte ce métier-là. Ça se fait... C'est correct. C'est, ben je oui. Dirais, c'est acceptable c'est si tu le fais correctement, à mon avis. C'est comment tu le fais, c'est ça. Mais exactement. Ouais. C'est qui a le plus le business brain des trois, mettons? De nous trois? Oui, c'est qui est le plus qui s'occupe de la business un peu plus? C'est Nadia. Ouais. Ouais. Ben, Nadia, maman. La mère. Oui, c'est moi, je pense. Ouais. C'est la mère qui s'occupe de ça. Okay. Ah oui, on l'a l'autre dans masse. Ouais. Moi, je passe mon temps à poser des questions. Tu veux-tu faire ça pour moi? Tu veux-tu faire ça pour moi? Toi, tu connais rien. Ben, c'est ça. Ben, ouais, là, je parle. Ben, c'est ça. Ah, je suis sûr que ta grand-mère est remplie de connaissances. Tu vas te surprendre. Oui, c'est d'autres, connaissances que, ouais. D'autres connaissances que les réseaux sociaux. Elle doit sociaux. Faire de la bonne crise de tarte aux pommes. Ah, que oui. Oh, Christ. Ça a été quoi votre plus grand défi d'entrer sur OnlyFans? Mon plus grand défi. C'est que j'étais... moi, je viens d'une famille très scrupuleuse. Ma mère faisait les mêmes choses que nous, mais sans nous le montrer. Très, dans ce temps-là, c'était plus... Caché. Alors, ben on a été élevés comme ça. Fait que c'est sûr et certain que j'étais pas la fille la
plus dégénée. Et puis quand j'ai commencé à faire ça, ben ça a été comme quand j'ai dansé, là. Ça a été les premières fois qui sont les plus difficiles. Puis après ça, ben, on s'ajuste dans ce qu'on veut présenter comme travail. C'est intéressant. Mais on en parlait un peu tantôt. Je serais curieux de savoir, parce que, tu sais, vous êtes deux femmes d'expérience quand même, là. Qu'est-ce qu'on préfère au niveau sexuel? Un jeune, début vingtaine, tu sais, qui n'a dedans, mais qui n'a pas encore ben d'expérience. Mettons lui. Ou, mettons moi. Ou, genre, mettons, mi-quarantaine, que, tu sais, il est un peu moins tête qu'il était, mais, par exemple, c'est pas son premier rodéo en esti, tu sais. C'est quoi, mettons, votre préférence niveau sexe? Qu'est-ce qui est meilleur? Ben moi, je dirais, j'ai... Ben, les petits jeunes, là. Sont comme plus tenaces, puis c'est le fun de leur faire découvrir des nouvelles affaires aussi. OK, c'est ça qui fait partie de l'expérience aussi, je comprends. Ouais, vraiment le fun, tu sais, ils sont comme « Ah, j'ai jamais fait ça », là, t'es comme « OK ». Qu'est-ce qu'ils ont jamais fait, ces jeunes-là? Ben ça dépend, là, tu sais, je me fie à mon ex, exemple, tu sais, mon ex avait jamais fait d'anal, il avait jamais fait... Il y a personne qui l'a fait venir en faisant un blow, tu sais, il avait vraiment rien fait, il était avec une fille de 18 ans, là, t'sais. OK. Fait qu'il passe vraiment de l'extrême à l'autre. Fait que j'ai vraiment fait découvrir plein d'affaires. Tu sais, des trips à trois, tout ça. Puis il travaillait avec moi, fait qu'il a fait des tournages avec des filles à pu finir. Là. OK. C'était vraiment cool, là, mais... Il a vécu là, pendant... Combien de temps vous avez été ensemble? 2 ans. OK, fait que ça a été deux grosses années pour lui. Puis vous, Mme Chantal, un petit jeune ou une mi-quarantaine? Un peu semi-croquante, ça? On a... Faut-tu avoir un choix? Ben, vous pouvez prendre les deux si vous êtes... Les deux? Ah ouais. Ben oui, j'accepte. Il n'y a pas de préférence tant qu'il est à mon goût, tant que... Tant qu'il se paraît, se présente bien. Moi, j'aime beaucoup la sensualité. J'aime beaucoup que ce soit smooth. Les préliminaires. Mais les petits jeunes, ils n'ont pas de la misère avec ça un peu. Des fois, ils sont pas sur le gun un peu trop vite, les petits jeunes. Exact. C'est ça l'affaire, hein? Ils prennent pas assez leur temps de s'installer. Tandis que quand tu as de la sensualité qui commence, après ça, tu as le désir qui embarque, puis après ça, c'est à batailler. OK, c'est ça. Sors le jeu de cartes, puis on joue à bataille. Hey, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça fait son temps. Fait que c'est un petit peu ça que j'aime. C'est quoi votre position préférée, vous, Mme Chantal? Oh, lui, tout. Tout? Tabarnak, ça va bien. Je t'ai dit, je t'en forme. Ah, j'avais remarqué ça, que t'étais en shape. Et toi, Carole, t'as tout le temps été en couple, fait que j'imagine, mettons, un jeune ou un vieux? Plus vieux. Peut-être pas mi-quarantaine, là, mais... Il est plus vieux, là. Ouais. Il est quel âge? Il a 23. OK. Mais c'est pas une grosse différence, ouais, là, mais tu peux... Tu peux pas être plus jeune. Non, même pas une semaine. Ça va me gosser. Ah, je sais pas pourquoi. Faut que ce soit plus vieux. Bon, c'était moins que 22 ans, man. Laisse faire. Non. Abonne-toi sur OnlyFans, mon gars. Ouais, grosse-toi. Grosse-toi, tu ou va-moi sa mère. Bon, ben Chris, fait que c'est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah, ben oui, non. On s'en va, on a un petit segment à la fin, là. Ben là, on a le Patreon qui continue, fait que si vous êtes encore là, ben là, on a un segment Patreon exclusif. By the way, on va faire le tirage aussi du mois, fait que c'est là que ça se passe. Fait que si jamais ça t'intéresse, ben c'est sur Patreon avec le forfait Les Vacances du King. Fait que si tu veux savoir les body counts de Madame No Limits, Chantal et Kiara, viens nous voir sur fucking Patreon, mon coco. Merci à erosetcompagnie.com, baby, si t'as envie de te varloper le manchon dans une snatch en caoutchouc. C'est là que ça se passe avec le break 15. 15 rabais sur tout le site, mon coco. C'était ton animateur, Frank the Dripper. Mon chummy GM Tits Productive, puis mon beau-frère qui va bientôt vous faire un porno. Puis sinon, pour ceux qui sont sur YouTube, il y a le petit segment Speed Dating qui embarque. Là, abonnez-vous. Là, justement, on a 3 petits coupons pour vous, puis à tour de rôle, il faudrait piger l'un d'entre nous. Ça va être la personne que vous allez speed dater. Dans le fond, ils sont dans le verre, les 3. Tu peux faire la première pige. Ah, je pensais que c'était ton drink depuis tantôt, mais où? Okay, ben, au début, c'était ça. J'allais... Moi, j'aurais besoin d'une petite pause. OK. OK. Ben oui, on peut prendre une petite pause. Fait que là, c'est avec qui? C'est quoi le match? Avec moi. Oh, shit! Pour vous, Madame Chantal, qui allez-vous piger? Oh! Oh! Oh ben, je pense que t'as ton chanceux. No limits and friends. Oh, Chris, les choses se passent. Tu prends un break, mes minous. Bon, ben, let's go. On va au speed dating, puis party, let's go. C'est fait. Prends un break, mon bébé. Ah oui. Calice.
Fait que là, si mettons, là, on arriverait que ça marche là, après ce speed dating-là, là. Ce serait quoi que je pourrais t'amener en date? Ce serait quoi la meilleure date pour toi là, avec Dripper? La meilleure date? Ah, tu m'amènes au Boston Pizza. Ah, je colle une X large avec une graisseuse, puis on se l'enfile. On se la graisse. Après ça, on se la graisse? Oui. Ça, on attendra dans le Mustang après. Mustang? Ah, j'ai un gros Mustang décapotable. Ah, ça, j'aime. Ben, ça décoiffe, hein? Ben, c'est ça. Mm. Moi, okay. Tout, je suis capable de coiffer. Fait, anyway, à la fin de la soirée, tu vas finir de coiffer. Inquiète-toi pas avec ça, c'est garanti. OK. Bon, vu que ma mère, c'est elle qui fait mes rallonges, on est correct. Chris, ça va bien direct. T'es bien plugué, toi? Ouais. Tu peux les arracher, tu peux faire. Ouais. OK. Ouais. Fait que t'as des cheveux qui repoussent anytime. OK. Mm. Puis si on a un repas à te faire, qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Non, moi, je suis un esti de bon cuisinier. Là. Des pâtes. Des pâtes? Ouais. Carbonara, Alfredo, fruits de mer. Hein? Pas de bacon. Pas de bacon? Ouais. Je pourrais aller pêcher des crustacés en Gaspésie puis te ramener ça. Là. Eh oui. Faire un bon spaghette avec de la sauce blanche. C'est bon, ça? J'adore la sauce blanche. Calisse! Ça le mérite d'être clair, là, tu c'est ça. Y a-tu des questions que tu aimerais savoir sur moi? C'est ça, je suis un livre ouvert. Toi, c'est quoi ta date parfaite, là? Moi, ma date parfaite, c'est d'aller jouer au mini-pot. C'est vrai? T'aimes ça rentrer dans les trous? J'aime ça rentrer, j'aime ça faire un 18 trous, ouais. Exactement, puis je suis pas pire. T'es bon? Ben, Chris. D'un coup? D'un coup, non, moi, j'aime ça tourner autour du pot. Ah! Tu vois ce que je veux dire? Ça tourne, puis à un moment donné, ça rentre. Hein? On sait pas, c'est une surprise. J'aime ça. Ben oui, moi c'est mini-pot, puis après ça, on va manger au restaurant. Okay. Mais j'irais pas au Boston Pizza. Non. J'irais plus d'une place un peu plus décontractée. L'atelier à Québec sur Grande Allée. Je pense que ça serait un bon verre pour moi parce que c'est une bonne place des cocktails. Ils font des bons tartares parce que j'aime ça manger cru. C'est bon. Ouais. T'aimes-tu les moules crues? Les moules crues? Non, j'aime pas les moules crues, malheureusement. Pour non. Toi, mais non. Toi, les moules crues, je pense que. Ouais, ouais. Parce que t'es bicurieuse. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, pas bicurieuse. Non? Je suis très, très bi. Bi? Ouais. OK, mais t'es curieuse. Je suis plus que curieuse. Fait que t'es bicurieuse. Très curieuse. OK. Puis ça arrive de où, ça, des lunettes pas de verre? Écoute, ça, là... Je comprends pas. C'est déjà fini? Déjà? Ça fait déjà 3 minutes, mais ça va tellement bien. Puis on continue une petite minute. Ben oui. Bon, combien tu nous charges? Ben moi, c'est bien gratos, même, comme mon ami. Je t'écoute. Fait qu'on regarde. Aux lunettes pas de verre, c'est pas mes lunettes de tournage parce que ça passe au travers, fait que c'est sûr que ça marche pas, mais c'est juste pour être sûr que tu vois vraiment dans mes yeux que ça se passe. Là. As-tu toujours aussi chaud? Tout le temps. OK. Tabarnak. Toi? Moi, je suis tempéré, je me sens bien, zen, décontracté. Qu'est-ce qui te donne chaud? Qu'est-ce qui me donne chaud quand je mange piquant? Ah, ça ouais? Me donne chaud en tabarnak. Ou sinon, quand je fais dodo collé, là. Ouais. C'est le petit cul bombé, là. Ouais, exactement. Ça donne chaud à son dripper, ça. À être collé. Pourquoi ouais. Dripper? J'aime ça, dripper. Pourquoi dripper, hein? Bonne question, mais si tu veux le savoir, va falloir que vous allez en deuxième date. Donc, la question du public en ce moment, c'est est-ce que vous irez en deuxième date? On t'écoute. Faut que je donne ma réponse. Tout de suite là, là. Anytime. Anytime, tabarnak, ça va bien, mon affaire. Parfait, on va faire une deuxième date. Je suis down aussi. Yeah. Enchanté, Chantal. Enchanté, mon beau Émile. Moi, c'est Émile. J'avais peur que tu l'oublies. On dirait que t'étais, non, non, t'étais non, plus non, sûr. Non. Ben non, ben est-ce que non. Je peux vous dire dessus ou vous aimeriez mieux ben, vous? Il faut que tu me dises dessus, Trésor. Vous êtes la plus belle femme de 60 ans et plus que j'ai été de toute ma vie en passant. Hein? Je tiens à vous le dire. Puis là, j'ai préparé quand même une surprise. Je suis allé à chercher des fleurs. Je les ai trouvées dans le salon, mais c'est avec le plus profond de mon cœur. Ça me touche. Ben quand même, hein. Sont, genre, je pense qu'ils sont en plastique, là. Fait la senteur. Niveau odeur, c'est peut-être. Ah ouais, c'est pas pire, hein. Ah, c'est pas pire. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont là, au moins. OK. T'es-tu une femme. T'es-tu une femme d'odeur? C'est quoi qui turn on, mettons? C'est quoi que j'ai le un parfum. Gars qui. Ah ouais, la hein. Senteur d'un homme. Je me suis mis du parfum tantôt avant que t'arrives. Moi, je veux sentir. Ben, j'en ai mis sur mon poignet. Qu'est-ce que tu en penses de mon parfum? Oh, Colin, quand même, hein? Mm. On a des rap... Colin, quand même!
Ça sent pas pire quand même, j'imagine. Ça sent très bon même. Ah ben crime, je suis content de ça. Puis là, Chantal, on se voit où dans 10 ans, mettons, moi? Puis je sais là, qu'on est en speed dating, mais mettons qu'on parle du long terme. Là. Moi, je cherche quelque chose de sérieux quand même. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? On est où? Qu'est-ce qui se passe? Hey, moi aussi, je cherche quelque chose de sérieux. Ça donne bien. C'est vrai, tu veux-tu un peu de rhum? Ah oui, donc. Ça me fait plaisir. Ben, j'espère, Chris, on est en date, là. À un moment donné. Absolument. Fais quoi, dans 10 ans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans, moi, puis toi? Oui. Ah, on trip. T'es-tu une fille de camping, une fille de voyage dans le sud? Qu'est-ce qu'on triple? De tout. Ah, on camping, fait un peu de tout, là. On se gêne pas, là. On se gêne pas. On se lâche. Je comprends. Puis on trippe. Ensemble. On trippe. Parfait. Ouais. Puis mettons qu'on va dans. Si on sort dans. T'es-tu une fille de resto? T'es-tu une fille de bar? C'est où que je t'amène, là, mettons? Là? Au resto, au bar, en voyage. Moi, c'est pas mal tout. Ah, ouais, tout est possible. Tout est possible avec moi. C'est bien rare que je dise non. Puis avec, mettons, le OnlyFans Money, là, ça va-tu nous payer une coupe de voyage? Eh, hey, man! Bien sûr! Ah ouais, hein? Parce bien que Podcast sûr. Money peut nous amener jusqu'à bien Cuba, mettons. Sûr. Mais moi, tu sais, si on veut se rendre... On peut dépasser Cuba, oui, tu peux. Ah, OK, on est capable de dépasser Cuba. Oh, ouais, là, tu parles, c'est de la musique à mes oreilles. Oh, ouais, on peut aller comme dans les îles Turquoise, un peu. Les îles Turquoise, quand même, hein? Ça me fait tripper. C'est quoi ta destination de rêve? Hawaï. Ah oui, hein, moi aussi, Hawaï, c'est dans mon top 3. Je pense que là-dessus, avec on a un point en commun. J'suis un gars de fleurs, puis j'suis un gars de tout-dou-dou-dou aussi, quand même. Voilà, moi aussi. À mes heures, là, j'aime bien les tout-dou-dou-dou. On s'entend bien, déjà. Mais je pense qu'on a plein de points en commun, mais oui. Chantal. T'as des beaux yeux, c'est fou. Mais vous aussi, vous avez des beaux yeux. J'aime les yeux foncés. Ça fait, moi, j'aime les yeux pâles. Ça fait déterminé, tu sais. Oui. Vous avez l'air de quelqu'un de distingué puis déterminé en même temps. Je pense que c'est deux aspects positifs chez une femme. Absolument. Ben, certainement. Absolument. Puis à part mes yeux, mettons, qu'est-ce que tu cherches chez un homme? Ah, ben, la tendresse. Je suis tendre, moi. Les caresses. Parfait. C'est ça, tu disais que t'es une fille qui aime la sensualité, t'aimes prendre ton temps quand même, la patience, ça fait partie de... J'aime beaucoup caresser l'homme, que l'homme me caresse. Comme je disais, après ça, ben, ça devient plus intense, puis là, ben, on peut s'attaquer. Ouais, c'est ça, on va se laisser aller un peu. À un moment donné, la tendresse, c'est bien beau, mais ça fait son moi, temps. J'aime ça quand t'arraches là, la chemise. Ah oui! Aïe, écoute, ça... Ah ouais, hein? Arracher la chemise, je vais me le noter. Je pense que je suis capable de faire ça. Je suis capable de coudre, il n'y a pas de problème. Ah ouais, on s'est refait la même chemise qu'on va repasser. Okay. Full equip, ouais. Full equip. Bon, full equip. Chris, quand c'est full equip, c'est full equip, comme dirait mon beau-frère. Absolument. Bon, ben ça j'aime. T'es-tu plus une giver ou une... Quelqu'un qui aime recevoir, tu sais, au niveau de la vie en général. Ça peut être sexe, mais ça peut être autre chose. En sexe, j'aime bien recevoir. En vie, j'aime bien donner. OK. Fait qu'en sexe, on aime mieux, mettons, se faire manger que sucer un bat. Bon, j'étais un peu cru comme question. Je sais que c'est rien que notre première date, mais ben tu sais, je me dis... Je te dirais, c'est pas mal égal. Ah, hein, les deux, c'est le fun. Ouais, se faire manger puis sucer un bat, c'est les deux. On aime quand même les fellations de ce bord-là. C'est ça que t'es en train de dire. Nouvellement, en plus. Mais je comprends ça. Fait que là, on arrive à la question parce que ça commence à... Quand ça build up, je comprends ce que tu veux dire par le désir, il build up de plus en plus. Ouais. Est-ce que vous irez en deuxième date, mes chers coquelicots? Ben, ça va dépendre de toi, Chantal. Ben, moi, je dirais oui. Bon, ben, moi aussi, absolument. Yes. On se revoit. On se revoit en date. Yes. Puis, mettons, si genre, je couche avec ta fille pour une vidéo de porn, c'est un deal breaker dans notre relation, ah, ça? Écoute, moi, je me mêle pas des affaires de ma fille. Ça, c'est bon, ma fille. Fait moi, c'est moi. Fait qu'il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de conflit on d'intérêt. On se le dira pas, puis ça va être bien correct. Bon, ben, parfait. Fait qu'on se revoit pour une deuxième date. C'était, c'était vraiment plaisant comme première date, Chantal. J'ai au plaisir de vous voir. Émile. Je vais avoir des plus belles fleurs encore. Ah, merci. Enchanté, Kiara. Enchanté. J'aime ça ton nom. C'est quand même. C'est érotique. Ah ouais? Shout-out à Peter, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein? C'est un peu bizarre être en date en sachant que Peter, il a un bon Chris de batte. C'est ta mère qui me l'a dit. Oh boy! Oh, c'est malaisant, ça. Ouais. Mais ouais. Mais je vais te demander une petite question, là. Ouais. Tu sais, on va y aller un peu moins dans le flirt. Moi, je respecte ça. Une fille en couple, regarde, elle fait ses affaires. Mais je veux savoir, tantôt, moi, j'ai dit que je te tuais dans le fuck, Mary Kill, parce que t'étais en couple. Mais toi, tu me tuais aussi, mais t'as pas donné de raison. Hey, j'ai même pas de raison, pour de vrai. J'ai dit, ouais, je suis mariée, voyons, j'ai peur? Ouais. Toi, je te quitte, mais je sais pas pourquoi. Comment ça, hein? C'est ça que je veux savoir. Je sais pas, c'est...
C'est-tu moins de ton genre? Non, c'est plus le vibe, je sais pas. Non, ouais, connais pas. J'ai moins. Je suis plus allée visuellement, là. Ben, c'est... Ouais. Il te fait-tu sentir, genre, qu'il est plus réconfortant un peu? Ben, moi, j'aime ça, les petites bedaines. OK, t'aimes ça, les petites bedaines. OK. Parce que... Ouais, merci! Allez, pas méchamment! Fait que t'as les petites bedaines. OK, mais pourquoi, mettons, beau-frère, lui, il a pas de bedaine? C'est parce qu'il est beau. Hein? Pourquoi t'es beau-frère? Ben, il paraît bien. Mais toi aussi, tu parais bien. Ben, merci. J'avais un choix à faire. C'est ça, je comprends. Pas, j't'élimine. Mais toi aussi, tu parais bien. Moi aussi, c'est ça. C'est ça. On est dans la même longueur. Ouais. T'aurais-tu une amie à me présenter, mettons? Ils sont tous en couple. T'as pas d'amis chaudes? Non, j'ai deux amis. Calice. Ouais. Mmh. Oh! Ouais, c'est ça. Ta grand... ça serait quoi ton meilleur truc à me donner si je voulais me pogner ta grand-mère? Faut que tu sois patient parce qu'elle, elle l'est pas. Elle a stand vite. Fait que, ben moi aussi. Diverti un peu. Ok, diverti. Ouais, divertissant. Ok, faut que je sois divertissant. Ouais, c'est ça, divertissant avec elle. Ok. Elle stand vite. Elle, après une semaine, si tu fais pas son affaire, là, tu prends pas. Ouais, hein. Faut que tu prennes l'initiative de faire des affaires. Elle a besoin d'un gars avec la drive. Ok, je vais prendre ça en note. Je vais peut-être être son 13e. Son 13e. Oh, yeah! Et moi, je pense que c'est ça. Là. Moi, c'est... J'aurais bien aimé ça, essayer de cruiser un peu, mais comme j'ai dit... Je respecte ça, tu sais. Bon, anyway, c'est la fin de la date. Ça fait 3 minutes, fait que... Malgré cette incroyable chimie, est-ce que... Non, quand mais... Même, vous même la moi, question. Je suis mal à l'aise à cause que Peter pourrait tomber là-dessus n'importe quand. Ils sont bons. Ben, je... Peut-être en tant qu'ami, tu sais. Peut-être ouais, que... ami, ça, c'est chill. Ouais. Excellent. Prochain ben, salut, la gang. Je vous aime. Prends un break. Pour l'été, prends un break toute l'année.